Mesdames et messieurs, c'est maintenant. YouTube et bienvenue sur le premier épisode de cette nouvelle saison reboot de l'Immortel. Alors je dis nouvelle saison reboot pour la simple et bonne raison qu'en fait on avait tenté l'Immortel saison 2 et malheureusement on était mort au tout début. En vrai comme la saison 1 au final, comme la saison 1 qu'on avait aussi tenté qu'on était mort au tout début. Donc là c'est la même chose, donc c'est la saison 2 reboot. Merci énormément au chat d'être chaud et au beat d'être bon. L'Immortel c'est très simple, c'est on recommence notre sauvegarde à zéro, on n'a qu'une seule map, on n'a pas de matos et le but c'est d'aller le niveau le plus haut possible et de gagner le plus de parties possible. On est parti tant que vous dans professionnel, pas le temps de niaiser, on est chaud. Allez on est parti, qu'est-ce qu'on a? Peter Wilson, on va tryhard sévère là, on n'a pas le temps de niaiser. Ah oui c'est vrai qu'on n'a pas de matos, c'est vrai hein. C'est toujours compliqué au début quand t'as pas de matos. Ok. Installez-vous mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes chaud. Moi j'ai pas le temps de niaiser là. Ok, on n'a pas la planque ici. Ok, on a une ouverture de porte juste là. Alors oui, l'Immortel c'est un peu de tryhard hein, bien sûr. Peut-être cette porte là. Yes. Ça c'est fait. Pas d'empreinte digitale. Ok, on va partir du principe qu'il est dans cette salle. On va quand même garder le MF. Au cas où c'est un spectre, il se tapait sur nous. Merci à tous. Des bisous à tous les spectres évidemment. Voilà, c'est la saison 2.1, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup pour les follow. Merci Jet Houille pour le follow également. Ok, j'ai pas de casier. Mais dis donc, pour une game en pro, je trouve que j'ai pas énormément de casier. Pas de casier ici. Je crois que j'ai que le casier de la chambre là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, let's go. Alors, il serait par là. On va essayer de monter assez vite, tu vois, histoire d'avoir assez d'argent. Donc le but c'est quand même de faire tous les objectifs, pas mal de photos. Faut qu'on trouve l'os quand tu vas Jesse, tu vois bien. J'ai plus de panthère mais j'ai encore de la shark. Bah ça va, la shark c'est très très bonne la shark. Ça devrait aller. Non, les empreintes j'ai dit non. Spirit. La 2.1 ouais. Saison 2, acte 2, ça tourne, voilà. On va dire ça comme ça. Donnez-nous un signe. Mais non, mais il est sérieux lui. Pardon. C'est pas gentil ça. Hein. Moi je l'aurais compté. Hein. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous. Eh, c'est pas cool. Hein. C'est vraiment pas cool ce qu'il a fait là. La photo, moi je l'aurais compté. Hein. En plus, il était toujours visible hein, quand je l'ai claqué. Hein. Vraiment pas cool ça, monsieur. Ok, il n'y a pas d'orbe. A priori, il n'y a pas d'orbe. Ok, on recheckera tout à l'heure. Un fantôme tactile, on va dire ça comme ça. Apparemment, le nouveau goût de Holly, tout le monde le surkiffe. Tout le monde le surkiffe vraiment, quoi. Qu'est-ce que j'ai en objectif? La chasse, les 25, la photo. Ah, c'est dommage. Pour le coup, la photo. Allez, go. Je suis en pro, hein, je suis pas en cauchemar. Let's go.
On va être plus sérieux. On va être plus sérieux parce que la saison 1, si vous vous rappelez, je suis mort sur une erreur d'inattention aussi. Comme le début de la. On va dire de l'entraînement de la saison 2. Donc un peu dégoûté. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Êtes-vous amical? Allez, fais quelque chose, s'il te plaît. C'est quoi l'objet maudit? Le tarot. Ok, on va le prendre en photo. On ne touchera pas au tarot, mesdames et messieurs. On ne touchera pas au tarot. J'ai vu la VOD avec un Roberto vu par la patronne. Ah ouais, ouais, ouais. On va chercher l'os. En attendant qu'il fasse quelque chose. Très très bon l'os. Ça nous fait gagner pas mal de niveaux, ça. Pas mal d'XP. Là, juste là, il s'est caché, l'enfoiré. Il vient d'allumer la télé. On va tester le MF. Ouh, t'as changé de salle? Ok, on n'a pas l'air d'avoir de MF5 pour l'instant. Il a peut-être changé de salle. On n'a pas de... Ah, j'ai rien dit. Allez, mets les dots, mets les dots. Vous regardez les dots. Onryo, Moroi, Yokai. L'Onryo, ça ferait chier. En vrai, ça va être chiant parce que... En fait, on est obligé d'avoir les trois preuves là. L'orbe, il n'y en a pas. Moroi, Déogène. Ah, ah, attendez, le Déogène, ça va être facile, ça par contre. Merci beaucoup. Waouh, des bisous à tous ceux qui lurquent. Si, j'ai ramassé l'os. Il me semble. Comment tu vas, creep? Tu vas bien? Ok, je suis à 78. Ah, mais j'ai pas de bougie. Pardon. 78. Faire en sorte que. Échapper à une chasse. Ok. L'obaquier, ça peut pas être un obaquier. Ça peut pas être un obaquier. Bon, tu vas barner, tu vas bien. J'ai plus de photos. En vrai, cette game, je pense qu'on va pas la laisser durer. Parce que j'ai le tarot. Parce que ça va être trop long d'attendre les 25% de santé mentale, je pense. Donc on va juste essayer de bien piffer le fantôme et puis on va avancer. On va avancer. En plus, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Allez, allez. Allez. Ok, on vient de voir les dots. Je suis là. Je suis là, Jean-Thierry. Allez, Jean-Thierry. C'est un mimique. Sérieux, ouais. Jean-Thierry. Allez. C'est un yokai. Où êtes-vous? C'est un yokai. C'est un yokai ou un mimique? Mais on n'a pas d'orbe. Attends. Bah oui, le yokai est sourd en fait, donc oui. Comment tu vas, Sekou? Tu vas bien? Arrête de lire le chat, excusez-moi. Mais c'est plus fort que moi. C'est des réflexes, mesdames et messieurs. 75, ouais, c'est un yokai. Yokai ou mimique? Donc on a forcément les orbes normalement. Moi je dirais. Bah en fait, je peux pas savoir. C'est soit un yokai, soit un mimique qui s'est pris pour un yokai. Ce qui serait une assez grosse. Ok, on a l'orbe juste là. Ou pas? Attends. Non, c'était de la neige. Non, c'est l'orbe. Ok, le problème c'est que je peux pas savoir si, parce qu'il n'y a pas d'empreinte. Donc c'est un yokai. Ok, des bisous. Des bisous, les 25% de santé mentale c'est mort, la photo ça va être chiant. On se casse. Première game, on est bien, on fait pas le maximum d'argent malheureusement, mais on enchaîne. Let's go baby. Allez, on est parti, on essaie de gagner quand même le plus de thunes possible, mesdames et messieurs. On débloque le Saint Trépied, la Edgefield, la Ridgeview. 111$. Alors, on va acheter. Il faut acheter des trucs pour faire des de l'argent. Donc, j'ai envie d'acheter. On va acheter. Qu'est-ce qu'on a? Ça, un briquet, le sel, un thermo. Parce que c'est vrai que le thermo, c'est quand même. Ou alors, non, l'appareil photo pour faire plus d'argent. Et la lampe, j'aurais pu l'acheter, mais non. Ouais, donc les photos, on est bien, et un thermo. Vas-y, let's go.
Là, on est pas mal. On va... attendez, je vais tout ajouter le plus possible. Comme ça, j'aurai pas à le refaire après. On est parti. On va partir, mesdames et messieurs, sur Lightfield. Let's go. Pas le temps de niaiser. On commence à avoir du matos. J'ai pas mis le sel? Tu as tout à fait raison. C'est pas grave. On mettra à la prochaine. Qu'est-ce qu'on a? Eric White. Le s... Évidemment, on a le sel. Ah, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Le MF et la chasse. Ok. Let's go, baby. Let's go. Yokai, première game. On a la boîte à musique. Allez, on perd pas de temps. Le courant. Comment tu vas, Sosuke? Tu vas bien? Ouais, j'ai pas pris le sel. C'est pas grave. Prochaine game. Ok, là on a rien. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Est-ce que j'ai la planque ici? Arrête de lire le chat. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Voilà, exactement. C'est exactement ce que j'allais te répondre. Ok. Ouais, en fait, mais c'est un réflexe à prendre. De pas lire le chat pendant les games. Mais moi, j'aime bien vous parler là. Vous êtes pas cool, chat. Arrêtez de me. Là, je suis en pro. Je suis en pro. Je veux pas faire de cauchemar avant d'avoir tous les objets pour pouvoir tester le cauchemar, tu vois, dans de bonnes conditions. Donc je me suis mis en pro. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ok, j'en ai un là et j'en ai un là aussi. Pas mal de placards, ça c'est cool. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Êtes-vous amical? J'ai peur. J'essaie de changer mes questions parce qu'il y en a plein qui me disent « Putain, j'en peux plus d'entendre les mêmes questions en boucle et en boucle, tu vois. » Ok, on va prendre le thermo. Merci à tous, je n'ai jamais douté. Moi non plus, je n'ai jamais douté. Et la spirit. Merci beaucoup Barney pour le 5e mois, tu régales. Merci beaucoup Tabernacle pour les 1 an, j'avais pas vu. Merci beaucoup monsieur. Hein, monsieur, merci beaucoup. Où êtes-vous? Ah, je suis désolé, j'ai cassé la porte sans faire exprès. Où êtes-vous? Ok, 19. Alerte générale! Il a pas l'air là. Ah ouais, une petite ombre là, ça vous dit, il se passe rien pendant 20 minutes? Ça a l'air de vous plaire? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Putain, mais y a rien là. Merci oh. À tous. Je n'ai jamais douté. Merci Seiku pour le 8e mois et le Prime. Merci énormément. Écoutez, à l'ancienne, hein. On vérifie toutes les salles une par une. Pas trop le choix. Ok. Il va être à la cave. Tu vas voir que ça va être la dernière salle que je vais visiter. Il va être à la cave. Là où il y avait l'os. Quel enfoiré. Alors faut faire attention parce que la Edgefield, il y a un bug au niveau des escaliers. Des fois le fantôme, au lieu de popper ici, il pop à l'étage. Ok, glacial. 1 sur 3. Ah non. Jumeau, ombre, Onijin. Ah bah voilà. Là, attendez, je vais tester la spirit tout de suite. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Ok, on partirait pas sur les jumeaux. Il a fait tomber un truc en bas. Quand tu vas, Ilotina, tu vas bien? Toujours vérifier les salles, ouais. T'as récupéré les mouettes? Nice. Pour toi, quel est le fantôme le plus plaisant? Ah, ils sont. Bah, en vrai, le polter. Le polter, c'est vrai qu'il est très drôle. Donc, ouais, le polter, je dirais. J'ai failli mettre 1 sur 3, moi aussi, Atomix. Alors. Merci, Imren. Merci beaucoup. Oh, l'orbe, c'est. L'orbe ici, laisse tomber, quoi. Ok, on va placer la caméra.
Merde, je vais pas allumer du coup. Il vient de faire tomber un truc. Oui, il vient de faire tomber deux trucs là. Ça vient de faire tomber deux trucs, dis donc. Reuage. Alors là, on a un petit EMF. 58, pour l'instant, je dirais pas jumeaux, je dirais ombre en vrai. Hein. Il faut qu'on regarde si on a testé les empreintes ou pas. On n'a pas testé les empreintes. Faut faire gaffe, il peut attaquer. Faut faire gaffe. Ah, mais c'est... Attendez. La santé mentale est descendue bien vite. Est-ce que ce serait pas un petit djinn? Un petit djinn des familles, là. Empreinte. Un djinn. Eh oui, le djinn peut vous enlever 30% de santé mentale, comme ça, gratos, quand vous êtes dans la même salle que lui ou à moins de 3 mètres. Donc c'est un djinn. Paf, paf, un djinn. Ok, let's go. Let's go, let's go. On va prendre ça, je crois qu'on l'a on a en objectif, ça. Hein. L'EMF, la chasse. Ok. Let's go. Chaque fois que je pars, il y a un truc. Bah ouais, ça sentait l'ombre, tu vois, mais au final, non. C'est considéré comme une seule pièce, la cave. Tu le vois avec la glaciale. Tu vois que j'ai la glaciale dans les deux. Donnez-nous un signe. Non, je vais chercher l'EMF. Faire gaffe, là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? C'est quoi déjà le truc? Oui, c'est échappé. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Allô? Attends. Il se comporte tellement comme une ombre, c'est un truc de ouf. Où êtes-vous? Allez, donne-nous un signe. Ah mais attends, le MF, je suis con. Le MF, il est où? Il est là. Allez, ça c'est fait. On se barre. Parce que s'il pop dans les escaliers, il va nous casser les couilles. Pardon. Petite boîte à musique photo, ouais. Petite boîte. Mais en fait, la boîte à musique, elle est un peu... c'est buggé, c'est ultra dangereux la boîte à musique ici. Ultra dangereux. Parce qu'en fait, là il est cave, et si tu fais la boîte à musique à l'étage, des fois il peut stepper directement sur toi au niveau de l'escalier, il y a un bug en fait. C'est assez... La boîte de musique est assez casse-couille ici. Est-ce que je la tente? Est-ce que je la tente? Est-ce que je la tente? Je la tente. J'attends sans prendre de risque. C'est beaucoup la purge pour le follow. Personne dans les films, moi, il spawn au salon au lieu de base maintenant. Non, mais je t'ai dit, des fois, il y a des soucis avec ça. Au niveau de l'escalier, il y a des soucis. Merci beaucoup, Aka. Ouais, je le fais. Non, mais je sais, tu utilises. C'est plus fort que moi. En fait, je peux pas m'empêcher d'essayer de vous montrer du beau jeu. Tu vois. Je peux pas m'en empêcher. Je pars du principe que regarder un mec faire des games en pro en boucle, c'est pas rigolo, tu vois. Donc, c'est pour ça que je mets des roues du défi. Je mets des... Tu vois ce que je veux dire? Bon, on enchaîne, on débloque la lampe puissante, on a pris deux niveaux, on va pouvoir commencer à acheter des trucs sympathiques là. Rajouter le sel, du coup s'acheter une lampe puissante, on va s'acheter un deuxième encens, et j'ai pas débloqué les pilules encore, donc on va garder un peu d'argent je pense. Ça m'a l'air pas mal. Ok, j'ai mis le sel, j'ai mis tout ça, j'ai mis les deux appareils photo, on est bon, on est parti, pas le temps de niaiser. La purge, comment tu vas? Je t'ai connu sur YouTube, je regarde tes vidéos toute la journée, j'ai commencé il y a 2 semaines. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Crucifix, c'est mort, la chasse et le micro, c'est mort. Ok, donc ça, c'est une game qu'on va speedrunner parce que, évidemment, il n'y a rien.
et c'est à la cave. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Je suis tellement énervé contre moi, vous avez même pas idée. Je pense que vous le voyez un peu quand même. Il y en a pas le tarot. J'ai pas checké la boîte à musique. Il vient de faire tomber un truc. À la Ouija. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Au revoir. Ok. MF5. Il vient de refaire tomber un truc là. MF5. De l'autre côté. Ici. Ah, c'est le lapinou. Ok, c'est lapinou. Il a l'air d'être nursery. Ok, let's go. J'apprends encore le français, c'est vrai? Eh, hey, bienvenue. Tu viens de quel pays, toxique? Ah bah, je l'ai vu, t'as drop ton casque instant quand j'ai mis une alerte. Ah bah ouais, non mais il y a un moment, faut pas déconner non plus. Hein. alors, on va tester ça. On va ramener, on va pas ramener le sel tout de suite. Et la caméra. En vrai, oui. Ah bah ouais, mais je suis tellement vénère. C'est dans un autre. C'est vrai qu'un petit doigt dans le fion, ça ferait du bien. C'est Robert. J'aime juste me déguiser en princesse et me mettre des petits doigts dans le cul. Heureusement que vous êtes là quand même. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? J'ai peur. Ok, pour l'instant, il n'y a rien. On enchaîne. J'ai pas le casier là, j'ai le casier là, je crois. Yes. Salut Nonorex! Tu l'as fait en VR? Ah bah ouais. Des bisous Apache, merci beaucoup Apache. Merci beaucoup. Ah, écoutez, c'est la dernière chance là. Ah ouais, 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 non mais c'est terreur à la con. Quand tu vas Spectrior, tu vas bien? T'as la forme? Ah! Ah ah ah. Il est pas ici. Il est pas ici. L'ossal, très bonne. Très très bonne photo ça. Ouais ouais, c'est marqué Douaron. Ok, là on a la température. Je pense que c'est les jumeaux. Alors. Encore? Putain, les jumeaux c'est quoi? C'est Spirit? Ou alors il s'est baladé de ouf. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? J'ai peur. J'ai peur. Ok, il s'est peut-être juste baladé. Hop, hop. Non, Imran, ça va aller. Pourquoi tu veux nous faire souffrir? On souffre déjà assez. Ouais, en fait, j'ai voulu vous montrer une connerie sur le jeu et en fait, j'ai voulu vous montrer un truc à pas faire et je l'ai fait comme un con. Donc voilà. En plus, je le dis, hein, je le dis quand je le fais. Alors surtout, ne faites pas ça, c'est une mauvaise idée parce que vous allez mourir. Regardez. Et puis voilà. Voilà, si tu veux tout savoir, ce qui s'est passé. C'est con quand même. Comment tu vas, cœur? Alors, ombre, une petite ombre des familles là? Petite ombre des familles. On va tester les empreintes vite fait. On va ramener ça et puis après on ramènera le sel. Eh ouais, non mais je suis trop con en plus. En plus, je le dis. Hein. Le pire, c'est que je le dis avant. Hein. Ne touchez pas le four, il est chaud. Psst, aïe! Tu vois, bah, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Et si c'est une ombre, en vrai, il faut juste qu'on attende que ça écrit, quoi. Qui fait malin tombe dans le ravin. Mais c'était pas du tout le malin, c'était didactique, Valos. Donc je ne me sens pas du tout visé.
Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, l'ombre, non. Ça peut pas être les orbes. Ça peut être le dots, la spirit, on l'a pas eu. Et l'écriture. Ok, donc dots, écriture et empreinte. Écriture, c'est une ombre. Des bisous. On va aller prendre ça en photo. On va aller faire le sel vite fait. Est-ce qu'on doit échapper à une chasse? On doit le repousser, ok. Doudoudoudou. Eh oui, je renais de mes cendres, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, on va pas reboot à chaque fois, quoi. On l'a fait saison 1, on le fait saison 2. C'est bien parce que c'est au début, hein. Je veux dire que si on était niveau 100, 150, on n'aurait pas reboot. On aurait fait, bah tant pis. C'est la vie. Bon, bah écoutez, l'ombre, on est bien. On va pouvoir faire des photos, du pognon, comme on dit. Allez, 1, 2, 3, 4, le livre, 5, on est bien. Il faut qu'on le repousse pendant la chasse. Le cruci, on n'en a pas. Bon, bah écoute, on n'a plus qu'à se servir de l'objet modèche. Qu'est-ce que c'est l'objet maudit déjà? Du coup, ta sauvegarde, où t'es niveau 4000, tu l'as plus? Si, si, je l'ai encore, je l'ai encore. Comment tu vas, Sléo, tu vas? Si, si, si. C'est quoi l'objet maudit, chat? C'est la Ouija? Ok. Alors, cette fois, je fais pas le con, hein. Je lui dis pas cache-cache ou quoi que ce soit. Je lui pose des questions pour que ça fasse baisser ma santé quand même. Tac, on va allumer. Alors, je vais ouvrir cette porte parce que j'aime bien. On va chercher la Ouija et puis let's go. Let's go! Tu vois là, tu vois, je recommence à lire le chat, ça va pas. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Il y en a un qui va poser une question, il va dire, qu'est-ce qui se passe si jamais tu fais ça? Bah écoute, c'est un truc à pas faire, regarde, je vais te montrer. Oh, vite, hein. Où êtes-vous? Ok, je vérifie que j'ai un briquet quand même. Où êtes-vous? Mais t'es pas net, non? Mais Ah, c'est si, pas le je suis moment. très net. Cache-cache, t'enlève pas de santé mentale, ou très peu. C'est ce que je veux dire. Donc il faut que je prenne le réflexe de m'enlever la santé mentale plutôt que de casser la. J'ai déjà l'os. Ah non, je l'ai pas? Je pensais que je l'avais. Tant pour moi. J'ai plus de photos, je crois. Tant pis. Ah bah attends, je lui ai claqué l'encens, donc j'ai quand même une minute. J'ai trouvé l'os vite fait en une minute. Je croyais que je l'avais l'os. Je croyais que je l'avais, je croyais que je l'avais. Il est pas ici. J'ai pas trop regardé ici. Bon, oh, puis tant pis, hein, sinon on enchaîne. Hein. Il est pas là. Est-ce qu'il est sur la bagnole? Des fois, il est sur la bagnole. Merci Adrenalia pour la lurk. Alors est-ce qu'il est là? Il est pas ici. Bon bah écoutez, il est pas là. Ouais, on va pas se prendre la tête. J'ai plus de photos de toute façon. Des bisous. Des bisous, des bisous. Je pensais que je l'avais. Salle de bain? Quelle salle de bain? Celle-là? Non? Ah, la salle de bain au fond? Tapis de la table de cuisine. Y a pas de. Il n'y a pas de tapis dans la cuisine. Je comprends pourquoi je me fais tuer tout le temps. Je lance avant qu'il arrive. Ah bah ouais. Allez, go. De toute façon, on pouvait pas faire les autres objectifs. Donc autant enchaîner. Brrr. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs. On débloque le capteur de mouvement. Ça fait plaisir. On va se faire allez, petite ridge view. J'ai la bougie, j'ai tout. On est parti, petite ridge view des familles. On enchaîne. On enchaîne. Ah, le camion commence à ressembler à quelque chose, t'as vu? La photo, les 25 et le bâton. Okay. Et c'est dans le garage. Ah, le cruci! Bah ouais, j'y ai pas pensé, excusez-moi. Salle de bain, je pense que c'était un numérus, d'accord.
Faut que je fasse gaffe. On n'a pas la planque là, on n'a pas le miroir. Pas la Ouija. Pas la poupée. On n'a pas le casier. On n'a pas le casier non plus. Ah, attends, une fois j'ai eu l'os ici. Prédiction, allez-y, faites-vous plaisir. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? On va checker la cave vite fait. Ok, on a les casiers là. On a la planque là. Bah dis donc, on a toutes les planques du monde à la cave. Je suis le seul frileux à poser deux crucis par game où j'enquête solo. Non, non, moi ça m'arrive de poser deux crucis. Généralement, quand j'ai l'objectif, c'est plus simple. Salut, c'est Ploli, tu vas bien? Ah, ça fait plaisir. T'as bien passé le déménagement? Et on va checker vite fait ici. C'est le premier endroit que je devrais checker ici en fait. Oh, c'est l'endroit le plus dangereux. Et y'a rien, on se casse. Et on va checker l'étage. Il y a un truc sur cette map, je sais pas. Ok, on a le casier là. J'ai l'impression qu'il est tout le temps couloir. Ou tout le temps où il y a le piano, tu vois. Ok, nice. Donnez-nous un signe. Ok, on a rien. Allez, pas un fantôme qui fait rien, s'il te plaît. Des bisous, Atomix. Merci beaucoup. Demain, face moi IRL. Ouais. Ok, on a ici aussi. Bon, bah écoutez, petit fantôme qui fait pas grand chose, hein, on va aller prendre le thermo. Épuisant, mais c'est fini. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est épuisant. Peut-être un pianiste, ouais, peut-être, la Diel. Écoute, on va voir. C'est vrai qu'il est... Généralement, les fantômes aiment bien être à côté de leur piano. Ouais. Qu'est-ce que j'ai déjà ? Photo 25. Comment on fait pour les gouttes de sueur cette nuit ? Comment ça ? Les gouttes de sueur, il suffit de regarder le stream hein, pour en gagner. Et plus vous êtes sub tier 1, tier 2, tier 3, plus vous gagnez de... Ok, ça vient d'éteindre le courant. On va aller checker direct le MF. Puisque normalement, quand le fantôme éteint le courant, il vous met un EMF au compteur. Si, tu as raison. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Merde. Ah, j'ai pas mon appareil photo. Merde. Attends. Ok, donc il a l'air d'être garage en fait. Il a l'air d'être garage. On a la spirit. Je vais aller checker les empreintes vite fait. On en gagne pas ce soir ? Bah, normalement, si. Pourquoi vous n'en gagnez pas ce soir? Alors, si vous n'en gagnez pas, ce n'est absolument pas de ma faute. Je ne sais absolument pas pourquoi. Moi, j'ai rien touché. Lila, comment tu vas? Bah, c'est bizarre. Pourquoi vous n'en gagneriez pas? Pasmo avait prévu de faire un jour reset des levels. Oui, 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 c'est prévu. Toujours prévu. Et ce sera pour bientôt. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Après... Pour l'instant, je vois pas d'orbe. Ok, ça ouvre. Il est là-bas. Hein. Ok, empreinte. Et spirit. Bah, dis donc. Bah, dis donc. C'est un polter. Appareil photo. Vite, de l'argent. Ouais, c'est Twitch bug. Ça considère la chaîne hors ligne. On peut plus acheter de tickets. C'est vrai ? Mais c'est quoi ce délire ? Quand tu reset tes levels, ouais ouais tu perds tout hein, quand tu reset les levels. Tu perds tout tout tout. Hop, normalement j'ai interaction. Oh il m'a pas compté l'interaction cet enfoiré. Alors qu'il vient de toucher la porte quoi. Ok. Bon bah en plus j'ai la boîte à musique donc c'est cool, on va pouvoir tester le fantôme tout de suite. Mimic, j'ai pas vu d'orbe donc pour l'instant je partirai sur un... Walter fantôme.
va chercher la boîte. Eh ben ok, donc le... Il considère le stream offline. Ce qui est très bizarre, ok. Bon, il y a eu un reboot de la saison, Zeploli. Pour mauvaise conduite. Merci à tous, je n'ai jamais douté. Alors, l'appareil photo, il est là. Est-ce que j'ai de l'encens à faire? Ok. Ok. Ah oui. Hop, je vais chercher l'encens. La purge, merci beaucoup pour ton prêt. Bienvenue chez les gueux, baby, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le 12e mois, Yosh. Putain, un mois, Yosh. Un mois, un an. Incroyable. Merci beaucoup, tu régales. Test 1-2-1-2. Mais oui, on te voit, on te voit. Ouais, écoute, moi aussi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Comment tu vas, Izzy? Tu vas bien? Ouah, t'es en retard, pas vraiment. Y a pas de retard. Vous savez, dans la vie, y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises. Ça va, calmez-vous, je rigole. Alors. Je suis même pas allé chercher l'encens. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, focus. Bah ouais, bah là, tu fais l'inverse. J'arrête de lire le chat. Ok, let's go. J'ai hâte qu'on débloque la Willow, là, qu'on fasse Tangle Willow en boucle, histoire de bien monter de niveau assez vite. Et de remettre, de mettre ce reboot derrière nous, quoi. On va la mettre là, on va mettre ça ici. Allez, pas d'erreur. Ok, on est bon, let's go. Fantôme. Un petit fantôme des familles. Des bisous au carré. Salut Warfake, tu vas bien? Allez, on est bon. Je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. C'est propre. Trop dur de pas... Si, c'est dur de pas lire le chat. C'est très très dur de... Voilà, il faut... J'y arrive pas, hein. Je vous aime trop. Je n'arrive pas à pas lire le chat. Elle est pas passée loin, celle-là. Il a failli avoir une bavure. Hein. Failli avoir une bavure. Du coup, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Crypt, je l'ai expliqué sur mon Discord. Je l'ai expliqué sur mon Discord. J'ai le briquet, ok. On va faire les 25%. Faut que je prenne le réflexe de pas lire le chat quand je suis dans la maison. Eh, c'est difficile. C'est difficile. Ah, c'est bien ce qui me semblait, il y a l'eau sale. Chercher les photos. T'as la ref, normalement, c'est la suite de y a pas... Ouais, bah, c'est exactement ça, Geotus. Le sel? Ah. C'est vrai que le sel, on aurait pu. Combien j'ai de photos, là? Ah, il m'en reste 5. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime bien lire mon chat en permanence. Ok, c'est bien un fantôme. Juste pour être sûr. Ou alors, il faudrait qu'on s'auto-censure, désactiver le chat temporairement. Non, ça donnerait trop de taf au modo. Non, il faut juste que j'arrête de lire quand je suis dans la maison, il y a des chasses, tout ça. C'est tout, hein. C'est la discipline. C'est important. C'est possible. C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Thank you.
c'est pas gentil. Mais alors pas du tout. Hop, comme ça il m'enlève de la santé. Pas les 25. Ce combo mortel, j'en peux plus de mes collègues. Ah, écoute. Merci, Ladiel. Non, c'est pas possible, ça. D'ailleurs, un truc que je trouve stylé, c'est qu'il enlève limite la photo du livre. Et qu'il limite les photos par rapport au nombre maximum d'appareils photo. Ouais, même. Je trouve ça bien quand même de voir ces photos. Toujours pas 25. Alors le fantôme, vous perdez plus de santé mentale quand vous le regardez. Ok, la chasse est finie. Toujours pas 25. Est-ce qu'il va me faire le plaisir de marcher dans le sel? Ce serait cool. Ah, 25, c'est bon. Allez, on se casse. Il vaut mieux se casser et enchaîner avec une autre game que essayer d'avoir des photos. Comment tu vas, Keizo? Tu vas bien? Allez, go. Oh, on devrait faire quand même 2-3 niveaux là. On va pouvoir avoir pas mal d'argent, commencer à essayer de speedrun le cauchemar un petit peu. Bon bah écoutez, on avance doucement mais sûrement. On débloque enfin le micro, on débloque le capteur sonore qui ne sert absolument à rien. On est déjà niveau 9 et on a débloqué la Willow, mesdames et messieurs. Donc on va faire la Willow. Alors attendez, on avait dit pilule. Pilule, je vais en prendre 3. C'est un peu overkill. Le micro, qu'est-ce qui pourrait manquer? Le cruci. 2 cruci, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je crois que j'ai tout là, on peut commencer le cauchemar, non? Histoire d'aller plus vite. Histoire de faire plus de points. On peut commencer le cauchemar. Ça m'a l'air pas mal. Ça vous dit? Eh ben c'est parti, première game en cauchemar. Let's go baby. Ouais, j'ai mis, putain, tu m'as mis le doute. Tu m'as mis le doute. Qu'est-ce que vous pensez qui est mieux, chat? Sel, micro, mouvement. Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'enchaîner, de speedrunner les games en pro? Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux d'enchaîner les games en cauchemar, sachant que les games en cauchemar sont souvent plus longues que les games en pro en général? Tout de suite, un petit sondage de la modération d'amour. C'est gentil, Keizo, merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. Ok, on a le miroir. Ok, il a l'air d'être couloir. On n'a aucune planque ici. Quelle porte il a touché? Celle-là. On vérifie toujours l'interaction. Ok, on n'a pas, pas d'empreinte. Ok, il est ici. Ici. Hop, on vérifie toujours les planques. Super. On va aller vérifier vite fait la planque à la cave. Très dangereux, attention. S'il chasse et qu'il n'y a pas de planque, il va falloir le louper dans la cave. Hein. Merci beaucoup, Sanchi. Ok, pas de planque ici. On cherche l'os vite fait. Ok, ça, c'est pas une planque. Hein. Je préfère louper le fantôme que de me planquer ici, moi. Je vous le dis tout de suite. Wouh, let's go, baby. Ouais. Alors, l'os. Pas d'os ici, je l'ai pas vu, ça se trouve il est dans le salon, j'ai pas fait gaffe. Ah, MF5, on va retenter les empreintes, pas d'empreintes. Toujours retenter les empreintes quand vous avez le MF5 parce que ça peut être l'obaquet et l'obaquet a une chance de pas les mettre. Ok, donc on a un fantôme qui se balade un peu, j'ai l'impression. On peut déjà enlever le cauchemar, ça c'est une très bonne nouvelle. Puisque quand le fantôme allume un ordinateur ou la télé, c'est comme s'il allumait une... C'est considéré comme un interrupteur. Donc c'est comme s'il allumait une lumière. Et vous savez que le cauchemar peut pas allumer de lumière. Là, je l'ai vu. Il est là. Magnifique cage thoracique, mesdames et messieurs. On est parti. Le fantôme est un geek, bien sûr. EMF5. Gorio au baquet, c'est pas possible, y a pas d'empreinte. Alors,
on va se prendre la petite camélache. On va se prendre le thermo, histoire de voir s'il est vraiment dans le couloir ou dans la salle gaming. On va l'appeler comme ça. Mais ce qui est bizarre, vous voyez, c'est que les points de chaîne ont pas l'air de marcher, mais les prédictions et tout, ça marche nickel. Ça qui est chelou, tu vois. Alors, on n'a pas d'orbe ici. Pas d'orbe ici, ok. Potentiellement pas d'orbe, on va quand même checker le thermo. On a du 0 ici. 3 et là. On a du 13. Ok. Ok, ok. Il a coupé le courant ? Pas du tout. Ok, on va aller chercher les dots et compagnie. Comment tu vas, ma lady ? Tu vas bien ? Ah ouais, j'ai glissé. Du coup, je confirme, j'ai pas gagné de points de chaîne non plus. D'accord. T'es toujours à 222 000. Hey, let's go, baby. Au moins, tu ne tapes pas deux démons direct, c'est plutôt bon signe. Bah après, deux démons, y a, tu vois, il y a de l'entertainment, y a du, on rigole, il y a du délire. Mais bon, c'est la vie. Faut savoir rebondir. Demandez à votre mère. On vérifie quand même les orbes, parce que bon, ce serait con de se faire mimiked. Ça arrive déjà assez souvent. Écoutez, un fantôme assez calme, hein, on va pas se mentir. Lui, il a qu'une envie, c'est d'allumer son PC et d'aller jouer à Phasmo. Hein. Alors, on va tester la spirit, on va se mettre... j'ai quoi déjà? Le micro, allez go. Avec un peu de chance, on peut avoir la Banshee? Non. Le Raiju... Ah ouh, faut faire gaffe, le Raiju peut attaquer à partir de 65, faut faire gaffe. Merci beaucoup à Kasha pour le raid, bienvenue à toi et tes viewers. Installez-vous, mesdames et messieurs, on est sur la saison 2 de L'Immortel. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. J'ai peur. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. J'ai peur qu'il ait changé de salle. Non, pas forcément. Oui! Ok, il a l'air d'être là. Merci beaucoup Aka, merci énormément pour le soutien. Comment tu vas, cher Alia, tu vas bien? Tu nous viens de chez Akasha. Putain, j'ai eu trop peur. Faut que j'arrête de lire mon chat. Comment tu vas, Ragor? T'as la forme, Akasha? Ok, ça c'est fait. Au prix de ma vie, qu'est-ce que tu veux? Le sel, ça va être facile. Hop, hop. Le capteur, je l'ai. Ah bah si, le capteur, je l'ai. Eh bah écoute, je vais très bien. Je vais très bien. Un peu énervé, mais je vais bien. Je vais bien. J'ai fait une erreur tout à l'heure là sur le jeu qui me représente pas et ça m'énerve. Il a touché ici. Faire gaffe. Peut-être que le fantôme s'amuse à bouger. Hop. Je l'ai raid, je suis resté, donc je viens... Eh bah écoute, ça fait... Tu viens pas à 100%, c'est vrai. Et tu viens toujours avec cette passion incroyable. On va prendre ça. Et le capteur. Quand tu vas aller, Lex, tu vas bien? Pensez que c'est quoi, chat? Petite ombre? Est-ce que ça sortirait pas, la petite ombre, là, quelque part? Il fait pas grand-chose, hein. Ou alors, il a complètement changé de salle. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? On va checker la température vite fait. 0, 7, 1. Ah, il est censé être là. Hein. 5, 0. Et il est censé être là, le bonhomme. Ok, qu'est-ce qu'il a touché? La porte ici. Vérifier les empreintes une dernière fois. Il n'y en a pas. Il vient d'éteindre le courant. Pas de dots. Ah, et ça sent l'ombre un peu quand même. Hein. Oh!
Allez, marche, marche, marche. Lève-toi et marche. Ok, nice. Allez, du pognon. Du pognon. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Allez, écris, 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 écris. Écris. Ça peut être un Goryeo ou pas? Ça peut être un Goryeo. Ah merde, donc faut qu'on check les dots. On check les dots. Oh, les grenouilles! New York to San Francisco. Merci beaucoup. Eh, hey, tu m'as menti, Aka. Finalement, j'ai pas pu résister, je me suis repris des bits. Tu les mérites, tu fais des excellents tafs, c'est très gentil, Aka. Merci beaucoup. Eh, hey, tu régales. Merci beaucoup à Cher Alia pour le follow également. Passez une bonne soirée, chat. Commence à se faire tard un peu, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Allez, un petit Goryeo. Un petit Goryeo. Vous regardez les dots, hein. Regardez les dots, je regarde les photos. Ah, j'ai pas la photo du ghost, dommage. Le meilleur moyen, mesdames et messieurs, pour avoir l'écriture, si c'est une ombre, c'est de sortir de la maison. Ou au moins de sa salle, c'est le minimum. Et vous attendez. Vous attendez, vous attendez. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, hein. On va pas se mentir. On n'a pas l'air d'avoir d'orbe. Moi, je verrais bien l'écriture qui tarde. Et donc, je serais plutôt sur une ombre, là, tout de suite. Le Raiju, il y a Dots et Orb, on a aucun des deux. Ouais, il n'y a pas de Dots, hein. Il n'y a pas de Dots, on voit très bien là, il active le capteur, on voit très bien qu'il est dans le couloir, il met pas les Dots. On voit très bien qu'on n'a pas d'Orb. Merci énormément encore à Aka pour le soutien. Le temps de changer d'écran, je reviens, il n'y a pas de souci, Akasha. Est-ce qu'on a une prédit en cours? Ce sera une petite ombre. Ah, GG les prédits, c'est exactement le genre de prédit que j'allais demander. Ok, donc ce serait du coup l'écriture, comme il pif pas, comme il nous met pas le dot, c'est la température. Vas-y, on part sur une ombre. Déjà, c'est pas un spectre. Ça me fait chier. Est-ce qu'on part sur une ombre ou est-ce qu'on attend l'écriture? Coq de combat, comment tu vas? Je veux dire, si c'est l'écriture qui manque, on peut rien faire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Les dots, c'est mort. Empreinte, j'ai vérifié 3 fois. Température aussi. Les orbes, j'ai vérifié 2 fois. Et puis, je suis en train de vérifier en ce moment même. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? La spirit. Je peux revérifier la spirit à la limite. Allez, on peut revérifier vite fait la spirit. Vite fait, bien fait. Et je pense qu'on part sur une ombre. T'as cru voir orbe? Oula. Sachant qu'on est 600, tu serais le seul à l'avoir vu. C'est possible, hein, mais... Permets-moi juste d'en douter. Ok, ça remarche dans le sel. J'ai plus de photos. Je crois que j'ai plus de photos. Ouais, j'ai plus de photos. Merci du follow, Itachi. JL, c'est quoi? C'est une team. Spirit. Où êtes-vous? Oh putain. Il m'a fait peur, c'est quoi? Oh l'enculé! J'ai quoi comme cachette déjà? Fucking shit, pardon. Waouh! Non mais attends, je m'attendais trop pas. Je m'attendais trop pas à ce qu'il me chasse direct en fait. C'est un esprit? El Matador. Holy shit! Attendez, je suis pas... Ah bah là, réflexe, ouais. Tu vois, j'ai pas fait la même erreur. C'est le miroir. Bah attendez, j'ai quoi comme planque déjà? Je m'en souviens pas. J'ai aucune planque sur cette map, non? Ce serait quoi l'esprit?
Ah bah ce serait aussi l'écriture. On va tester l'esprit. Putain, j'ai eu trop peur du fion, un truc de ouf. Mais un truc de ouf. Minutes, non, c'est pas normal, c'est l'ENIA F1 et F5. Oh, il m'a fait tellement peur. Il a popé où? Allez, je vais vite chercher mon encens. Je vais rallumer la lumière. Ah oui, c'est vrai que j'ai aucune planque là. Ça craint, il a éteint le courant. Non, c'est pas un record 126. Le cruci, si, il sert. Re à cacha. Oh, on a eu chaud au bout là. Hein. On va pas se mentir. Alors en attendant qu'il rechasse, je vais rallumer le courant. Et je vais essayer de me trouver une cachette. Ah, où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Il est passé dans la chambre, non? Là-bas. Ah putain, il a dû changer de pièce. C'est pour ça qu'on a rien depuis tout à l'heure. Regarde, il a changé, il est là. C'était sûr. Ça, vous savez comment je le sais? Grâce au nounours. Où êtes-vous? Putain, je le savais, enculé. Pardon. Je le savais, hein. Je le savais. Putain d'esprit. Ou pas. Non, c'est... il a attaqué à 3 minutes. C'est un esprit, on est d'accord. C'est un esprit. J'ai pas de planque, on est d'accord, hein. La cave, j'ai pas les poubelles. Alors en fait, ce qui m'a fait me dire qu'il était dans la, qu'il a changé de salle, c'est le lapin. Le lapin qui l'a téléporté dans la salle où il y a le couloir. Et en fait, le fantôme, si vous voyez un mannequin ou une peluche qui se téléporte, ça veut dire que le fantôme est dans la pièce où il y a à la base cette peluche ou ce mannequin. Et en fait, il n'y a pas de mannequin dans le couloir. Le mannequin, la peluche, elle est là-bas dans cette pièce. Ok, alors ce qui me fait dire que c'est un esprit, c'est qu'il a pas attaqué pendant 3 minutes. À ta gauche, c'est une planque? Non, il n'y a pas de planque dans le garage. Ah, avoir l'esprit mal placé, ouais, hey, Lord. Pas mal, non mais pas mal. Est-ce qu'on fait un test ou on part sur un esprit, chat? Pas de test? Ok. C'est un esprit. C'est un putain d'esprit, oh là là. Un esprit, mesdames et messieurs, bah, bien sûr. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer. En fait, sur les différentes maps, t'as des peluches, t'as des mannequins dans des salles. Tu vois, généralement à la cave, dans la nursery, sur un Tanglewood, t'as des peluches. Si le fantôme est dans cette pièce, dans la pièce où il y a un mannequin ou une peluche, il peut téléporter la peluche ou le mannequin de façon random sur toute la map. Donc, par exemple, si t'es sur la Tanglewood, là, ce qui s'est passé, par exemple, sur la Willow, je sais que le lapin, il est sur le lit de la chambre de gauche. Et là, je vois le lapin dans le couloir. Ça veut dire que le fantôme a téléporté le lapin du lit au couloir. Mais la seule façon pour le fantôme de téléporter le lapin, c'est que sa salle soit la salle où il y a le lapin. Donc je sais, en voyant le lapin, qu'il a changé de salle, qu'il n'est plus dans le couloir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mesdames et messieurs, niveau 12. Allez, on enchaîne. C'était un bon vieil esprit des familles. Let's go. On va se faire petite tangle. Allez, petite tangle en cauchemar. On continue. On va s'acheter un peu de matos. On a un peu de matos là. On va s'acheter. Qu'est-ce qu'on s'achète? Dernière pilule. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'achète? Plus d'encens. Un autre appareil. Deuxième, voilà. Deuxième comme ça m'a l'air pas mal. Et. Alors ça, pareil, chat. Mais ça, c'est vraiment. C'est juste moi, tu vois. On va mettre un deuxième bouquin. L'esprit a la fâcheuse tendance à vous faire énormément d'événements paranormaux quand vous claquez l'encens. Voilà. Mais ça, tu peux pas considérer ça comme une preuve, tu vois. C'est juste... Le Saint-Trépied. Ah, le Saint-Trépied. Écoute, je dois avoir un bug parce que j'ai pas vu de message qui en parle. Si, Citron, il y a l'annonce, là, de Thierry.
Il te parle du défi de l'immortel. On continue. On continue. Alors, tac. Ok, j'ai bien rajouté le matos. Micro, bougie, sel. Ok. Micro, bougie, sel. Ouais, et alors c'était quoi la réponse? Les gens préféraient qu'on rush le cauchemar ou le pro? Le pro a gagné? Ah ouais? Okay. Donnez-nous un signe. On va aller remettre le courant. Oh, bonjour. On va voir comment se passe le cauchemar là. Si les games sont rapides, sont pas mal. Et qu'on meurt pas, évidemment. Ok, on a la planque là, on n'a pas la Ouija. Donc on a soit le tarot, soit la poupée. Dans les annonces, quand t'as un modo qui fait immortel, dans les annonces, j'ai mis en annonce en plus pour qu'on le voit bien. Si un modo peut le refaire. J'ai entendu un truc tomber. Ça devait pas être ici. Donnez-nous un signe. Ah, sur téléphone, on voit pas les annonces? Ah, je savais pas. Je savais pas. Ok, pas d'empreinte digitale. Je savais pas. Bah, je vais le mettre en message normal alors. Je savais pas. Je vais le faire tout de suite. Hop. Je savais pas que ça marchait pas sur téléphone. Excusez-moi. Tac, on va pas mettre ça en annonce du coup. On va mettre ça en message tout simple. Tac. Tac. Voilà. Tac et tac, c'est bon. Je savais pas qu'on voyait pas les annonces sur téléphone, ce qui est c'est très bizarre. Mais bon, écoute. Twitch, c'est comme Jesus Christ. Il est impénétrable. Sur tel, c'est claqué. Alors, je pense que l'application la plus claquée de Twitch, je pense que c'est PlayStation. On va faire gaffe. Et là, j'ai pas la planque. Putain. J'ai que le garage. Et c'est vous qui posez des questions. Okay, il est peut-être pas ici. Hein. Faire gaffe. Il a touché un truc là. Il est peut-être couloir. Ouais, puis Twitch est en mode vacances. Ouais. Pardon, chat, excusez-moi. Je pense qu'on va enlever l'ombre déjà dès le début. On va se mettre un petit cruci, histoire d'être bien. Objet maudit, je sais pas, j'ai pas regardé encore. Il est pas couloir. Je pense que c'est la poupée. Il est pas ici. Il est nurse. Il est nursery. Non. Il doit être salle de bain. Il est où ce con? Ok, donc c'est un fantôme qui se balade. On dirait que c'est un fantôme qui se balade pas mal. Ah, salon télé. Ok, salon télé serait pas déconnant. Il a touché. Il a touché un placard. La porte. Attendez, j'ai entendu une porte, je suis pas fou. Tu préfères la panthère, c'est vrai? Là-bas. Il a touché la porte là-bas. Ok, donc il serait bien salon. On va déplacer. Eh ouais, il aime bien faire des interactions un petit peu à travers le mur. C'est normal, c'est un gourgandin, mesdames et messieurs. On les connaît. D'orbe. On va checker vite fait la température. Il est peut-être pas là. Hein. Il est pas ici. Il vient de faire tomber des trucs dans la cuisine. Là, juste là. Il y a 3. Donc il est bien là. Testez vite fait le MF. Le MF 3. Okay. On a pas le droit d'avoir les dots. Donc Goryeo ou pas de dots.
On va aller prendre en photo la poupée vaudouche. Imren, arrête avec tes chansons là. Non mais yo, si tu veux t'écouter l'intégrale de la chanson française des années 70, fais-toi plaisir, mais mets un casque. Qu'est-ce que tu vas manger, Judy? Je viens de me réconforter ici après m'être fait allumer par des joueurs pros sur FIFA. Eh écoute, hein, dis-toi que... voilà, les mecs sont joueurs pro FIFA. Bon, on a l'air de rien avoir, c'est super. Un bon fantôme des familles. Pareil avec Valorant, ok. Allez, tiens, je te mets deux bouquins, tu me fais une belle signature. Il y a toujours le MF. Wow, la casquette. Qu'est-ce qui touche ma casquette, lui, il est fou. Écriture. Et ça va être une ombre de mort, hein. 1 sur 3, mesdames et messieurs. 1 sur 3 1 sur 3. On va rechecker les orbes. Les orbes, les... ça. Ça. Exactement, ok. Ouh. 1 sur 3, j'aime pas ça. En plus, si c'est un démon qui fait style qui est pas démon, tu vois. Tu vois très bien le genre de démon que c'est. Hein. Le fantôme qui me dit, non, mais t'inquiète. Moi, je chasse pas comme ça, moi. Et puis là, bim, tu t'y attends pas, tu te prends une chasse dans les dents. On les connaît, ces démons-là. Hein. On les connaît. Merci à tous. Olaf. Je n'ai jamais douté. Merci beaucoup, Olaf, pour ton 7e mois. Tu régales. Merci énormément. Un démon hypocrite, voilà, on va l'appeler comme ça. Pas de MF5, a priori. Pas d'empreinte. Pas d'orbe. Faut qu'on teste la spirit. Attendez, on va regarder vite fait les dots. Ça peut pas être un Gorio. Un petit Déogène serait pas mal. Ça peut pas être un mimique. Moi, j'ai pas vu de dots une seule fois. On aime pas trop les cuisinistes. Comment tu vas, Fakino? Tu vas bien? Des cookies et de la Holy Cobra, très bon. Très bon. Alors, j'en mangerais pas tous les jours, tu vois, si j'étais toi, parce que bon, c'est pas non plus diététique as fuck. Mais très bon. Franchement, pour un truc, pour 2h du matin, ça va très bien. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Putain, je le savais. Je le savais. Ok, il a... on va poser ça là. On va aller prendre des photos pour l'argent. Alors, mesdames et messieurs, écriture spirit, esprit... Oh putain! Oh, il y a énormément quand t'as les deux là. On va faire une chasse. Le cauchemar, j'ai pas l'impression qu'il ait éteint trop de lumière. Après, il en a jamais allumé non plus. On va laisser allumer. Les pas de bolo à 2h du mat. En même temps, il n'y a pas d'heure hein, vraiment pour les pas de bolo. Le polter, on peut faire un tas. L'esprit, on le verra avec la chasse. Des bisous, Harley. Ouais, bah le stream sera un peu plus long vu qu'on a glissé, mais bon. C'est comme ça. Attendez, je vais déjà d'abord, je vais faire des photos. Pas de carbo, bolo. Non. Eh non. Mais ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave, on fait tous des erreurs. Tac. Pâté de sanglier, cornichon, c'est très très bon. Saucisson Nutella, ça passe. Dans la même journée, ouais, en même temps. Non, mais je sais qu'il y en a plein qui aiment bien le saucisson Nutella. Le sel, la bougie, le micro. Ok, on va faire ça d'abord. On va prendre... qu'est-ce que je fais, le micro? Il y a quoi de bon dans le plat découverte énergie? Ah bah ça dépend des goûts de chacun, Eranor. Moi, je peux pas te dire, hein. Moi, j'adore la shark, la raptor, la cobra. Je peux pas te dire ce qu'il y a de bon. Hein. Ça dépend des goûts de chacun. Tu paries qu'il va popper là-bas? Allez, faut nous parler, monsieur.
Allez, monsieur. Allez, monsieur, parlez-nous, je vous en supplie. Cherchez de l'encens. Tu manges quoi au Japon? Tu manges local ou tu fais français? Ah bah, t'es obligé de manger local, sinon t'en as pour 50 euros par jour. Hein. Et encore. Ah, t'es obligé, t'es obligé. Ah, ça fait plaisir, Naru. Bon, tu vas pas que beau, tu vas bien. Qu'est-ce qui me manque? Le sel, je crois. Hein. Le sel. Bah ouais, t'es obligé, parce que le truc, c'est que la crème coûte la peau du cul. En fait, tout ce qui est pas japonais coûte la peau du cul, comme dans n'importe quel pays. Hein. Comme en France, les sushis. Hein. Pourtant, Dieu sait qu'ils sont dégueulasses. Hein. Je viens de réaliser les soirs de live. Je fais 4-5 repas par jour. Mais c'est normal. C'est parce que la bouffe, c'est la vie. Un petit peu rien, c'est comme ça. Un petit peu rien. La bouffe, c'est la vie. Donc ouais, forcément. T'es à l'aise devant le live et tout, bah t'as envie de bouffer. C'est normal. Il vient de marcher dans le sel. Oui, et puis en France, oui, tout coûte cher de toute façon, mais ça coûte quand même moins cher qu'en France. Alors, attends, il a marché où? Il a marché là. Est-ce qu'on a une petite photo de dispo, là? Ouais, c'est déjà mieux que rien. Est-ce qu'il a soufflé la bougie? Oui, le sel, oui. Il nous manque le micro. Allez, mon ami. Il a bouffé le cruci, on va le prendre en photo. J'aimerais bien qu'il souffle la bougie. Allez, s'il te plaît. Allez. Oh l'enculé, il a popé derrière. On va la jouer un peu plus safe. On va la jouer un chouï plus safe. Ok. On va plutôt se caler ici. Comment ça, ça compte pas là? Ah, c'est un cauchemar. Comment ça, ça compte pas? J'ai ces bruits de pas dans le sel avec le micro et tout là. Allez. Espèce de cauchemar. Ça m'oreille. Sachez que le micro est faisable pendant la chasse. L'objet maudit, c'est la poupée, tu dis. Le fromage, ça se passe comment? Bah, comment dire? Attendez, laissez-moi lancer le timer. Arrêtez de me parler. Allez, là, fais un effort, je t'en supplie. Un moroi. Allez, mettez-la quoi. Franchement, le micro, des fois, tu la mets instantanément et des fois, t'as rien. Ça existe les baguettes traditionnelles au Japon? Oui. C'est très dur à trouver du bon pain, mais ça existe. Ouais. Moi, j'en ai trouvé un. Hein. Et la baguette, c'est à peu près 2,20€. 2,20€, mais c'est très très bon. Hein. Il est bien meilleur que pas mal de Français, d'ailleurs. Enfin!
Putain. Let's go, baby. Le petit Monroy des familles. À 2 euros la baguette, vous dites what the fuck. En France, ça commence à bien monter aussi. Hein. Un petit Monroy. Petit Monroy. 2,20€. Bah ouais, mais vous êtes au Japon, mesdames et messieurs. Combien ça coûte un ramen chez vous? Ça coûte 15 balles. Bah ici, ça coûte 5,50€. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, eh ben écoutez, on enchaîne. Pas mal ça, pas mal. On fait pas mal de points. Hop, on prend un petit 4 niveaux d'un coup là. Ça, c'est pas mal du tout. Le professionnel, la prison. Merci à tous. On va se faire une Willow, on va se faire une Tangle. Allez, on fait une Tangle. On enchaîne. Le but, c'est quand même d'avoir le plus de level possible durant ce premier épisode du reboot. On va se prendre le deuxième bouquin. Je l'avais déjà pris, je crois. J'ai déjà pris. On va se prendre un autre sel. Une autre bougie. On est bon, là. Hein. Capteur, briquet, je vais en prendre deux. Le trépied, allez, un de plus, histoire de dire. Deuxième dots. Et allez, un petit glow stick, pourquoi pas. Je pense qu'on est pas mal, là. Allez, let's go baby, on enchaîne. Les games sont pas trop longues, pas trop courtes. Ça va. 90 centimes la baguette en boulangerie. Ça dépend. Hein. Je te trouve des boulangeries assez facilement. Ça passe à 1,20€, 1,30€. Hein. Je pense qu'il y en a qui pourraient confirmer dans le chat. Ah, tu vois. Je dis pas que c'est possible de pas trouver pas cher. Hein. Je dis juste que, voilà. Il y en a pas la cachette là. J'ai envie d'accélérer un peu, chat. Ça à chaque fois, mais j'ai entendu un truc tomber. Pas ici. Il faut allumer son EMF hein, pour qu'il marche. Conseil de pro player. Là. Ok. Putain, j'ai pas de chance sur les placards. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça fait 2-3 games d'affilée, j'ai aucun placard. Ok, il n'y a pas le tarot. Pas la Ouija. On a la planque ici. Ok. C'est encore la poupée vaudou. Famille de boulanger, je confirme 1,20€. Voilà. Ok, il vient de refaire tomber un truc. Potentiellement deux objets. Merde. Quoi? Attends, j'ai aucun placard. La seule planque que j'ai, c'est la cave. Super. Ok. J'ai même... Ok, EMF 3, c'est quoi qui a bougé là? Ça. On va fermer tous les placards, comme ça on saura s'il touche une porte. On va aller prendre en photo. On va chercher l'os dès le début. Et prendre la poupée en photo. Bah, tu te fais pas tabasser, mais bon, si tu manges du fromage et tout, même de la charcute, quoi. Sans pain, c'est pas la même chose. Faut du pain. Ça rajoute quelque chose. Petit goût de pain. Dites si vous voyez l'os. Hein. Là. Allez, go. Du pain, du vin, du boursin. Comment tu vas chez Tana, tu veux? Ok, ouverture de porte. Toujours pas de MF. On va checker les empreintes. Allez, je la sens bien, cette game chat. Je la sens bien, je sens qu'elle va aller assez vite. Je la sens bien, bien, bien. Là. On va checker ça, checker ça. Une bonne raclette, ça met tout le monde d'accord. Bah non, pas les intolérants au lactose. Eh ouais, mais il y en a toujours qui font chier, c'est ça le problème. Ok, pas d'empreinte. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? J'ai peur. Êtes-vous amical? Êtes-vous amical? Donnez-nous un signe. Ok, on n'a pas l'air d'avoir de spirit. Je vais retenter vite fait. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. J'ai peur. J'ai peur. Okay. On n'a rien. Merci beaucoup, Arnaud le Goat, pour ton prime. Bienvenue dans la commune. Bienvenue chez les gueux. Encore moins les vegans. Ouais, parlons pas de sujets qui fâchent. Calmez-vous, là. Calmez-vous. On va mettre deux crucis. Les modos ne mangent pas de pain, le monde tourne plus rond. Bah si, les modos mangent du pain, c'est juste que Tutis préfère sans pain, voilà, écoutez, il fait ce qu'il veut, hein, c'est un bon garçon.
Je suis intolérante au lactose, mais je reste toujours d'accord pour une raclette. Écoute, Kali, c'est pour ça que t'es une personne de qualité. Le plaisir avant la logique. C'est ce qui nous régit tous, quelque part. Comment tu vas, Reaper? Tu vas bien? Salut, Ney Ney. Salut, tous ceux que j'ai loupés. Dracona, par exemple. Alors, je vais aller checker quand même avec le thermo. Team VG? Oh, bah, y a pas de souci. Vous êtes pas une team, hein, sachez-le. Oh, putain, j'adore vous faire chier. Je parle pas des végétariens, je parle des gens en général. Tac, on va mettre ça. T'as mangé ta meilleure tartiflette hier soir? T'es prêt pour mourir en paix alors? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ok, on partirait sur la salle de bain. Ah! Qu'est-ce qui va bouger là? C'est pas une chasse. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok. Ouh, attendez, j'ai zéro dans le couloir là? Zéro. Ah, il est couloir, il est pas salle de bain? Ah putain, il est couloir. On vient de voir les dots, il vient de taper au carreau. Toujours pas d'empreinte. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre ce qui se passe. Ok. Où êtes-vous? J'ai peur. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Ok, on va placer un ici. Mourir en paix, c'est plutôt un bon... après un bon cassoulet. Ouais, je te promets que les lactoses intolérants, ils peuvent te sécher après avoir mangé un peu de fromage. Hein. Le pain de viande, c'est une dinguerie. Bon, tu vas, MK, tu vas bien? Ah non, le pain de viande, c'est une dinguerie monumentale. Je suis le seul à avoir vu les dots ou vous avez vu les dots aussi? Il n'y a pas l'air d'avoir la glaciale, par contre. L'orbe, attends, voilà, c'est ça que je voulais vérifier, c'est l'orbe. Parce que si c'est le couloir, du coup... Wow. Ok, 100% c'est pas l'ombre, 100% il y a les dots. 100% c'est pas un goriot, on a vu les deux ensemble. On a vu ensemble. Donc ça peut pas être un goriot, ça peut pas être l'ombre. Pas d'empreinte, c'est l'écriture. Y a pas d'or, pas de MF, pas d'empreinte, pas de glacial, pas de spirit. Forcément l'écriture, donc c'est Déogène taillé. Photo de l'entité, micro. Tiens, on va faire le micro tout de suite. On va d'abord ramener un encens. Parce que si c'est un taillé, il peut attaquer à partir de 75%. Ah bah ça s'appelle une croziflette si tu fais ça avec des crozets écriture. Non. Mettre ça ici. On va chercher le micro. Les gueux mangent de la raclette. Bah ouais, bah il faut. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste l'encens. On va juste prendre deux encens. Non, je vais prendre un appareil photo. J'ai vraiment l'impression que les orbes sont bug en ce moment. Bah ouais, les orbes, de toute façon, ça a toujours été casse-couille. Hein. Ça a toujours été casse-couille. Ça le sera, je pense, quasiment toujours. Hop. 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 Allez, je vais piffer un petit Déogène. Donnez-nous un signe. Qu'est-ce qu'on aurait mal fait, la chat? On a tout testé. Pas d'écriture. Les empreintes testées deux fois. Le MF5, toujours pas. Ok. On a enfin un chuchotement. On va essayer de l'activer avec un encens, tiens. On va chercher un autre encens, on va essayer de l'activer un peu.
On va apprendre qu'après le live, Thibaut s'est fait une raclette. Une raclette, ça coûterait beaucoup trop cher ici. Quel âge avez-vous ? Moi, je dis quel âge avez-vous ? Je dis pas aviez-vous. Et je pense que les deux fonctionnent en vrai. Le sel, on va se faire le sel. À chaque fois, j'oublie qu'il faut faire le plus d'XP possible. Bah, ça manque un peu. Bah, après, mesdames et messieurs, on va pas se mentir que la bouffe japonaise, quand même, y a pire, quoi. C'est pas si mal que ça, la bouffe japonaise. Hein ? Ça pourrait être pire. Bah, si j'avais été, je sais pas... Bah, après, dans tous les pays, il y a de la bonne bouffe, mais... Si j'avais été, j'en sais rien, moi, en Afrique ou Mexique... Et encore Mexique, ils ont peut-être du fromage. En Australie, par exemple, tu vois. Bon. La bouffe australienne, elle est peut-être bonne, mais je la connais pas. Mais là, on est quand même, je suis quand même au Japon, quoi. Là, je veux dire... Merde. C'est pas comme si... ils étaient pas un peu réputés pour leur bouffe. Alors, attends, si c'est un déogène... Ça veut dire qu'il nous manque la spirit ou l'écriture. Et on n'a toujours pas l'écriture. Ce qui est quand même ouf, hein. On va pas se mentir. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas loupé les orbes ? Et orbes, ça pourrait être taillé Banshee, Yokai Yurei, Raiju. Raiju, il nous aura attaqué. On va rechecker les orbes, hein. On va être obligé de chat. On va juste lui claquer un encens dans la gueule. L'encens a été pris en compte. Histoire de checker les orbes tranquille. Honnêtement, à part l'écriture ou les orbes, je vois pas trop ce qu'on aurait pu louper. La spirit, je l'ai bien testé comme un porc en plus. Là, j'ai rien. Pas d'orbe, hein. J'ai absolument pas d'orbe, hein. Zéro. Attendez, je viens de voir un truc de ouf là. What? Le fantôme? Oh. Le fantôme a la what? Attendez, what? Un spectre? Non, non, c'est pas un spectre. Attendez, mais c'est du génie là. Il vient de bouger le ballon. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas l'écriture. Peut-être qu'il a changé de salle. Non bah, putain, mais c'est ce délire. Il a lancé le cadre sur l'interrupteur, quoi. Première fois que ça m'arrive en 1000 heures de jeu. J'ai revérifié les orbes. Ok, il n'y a pas d'orbe. Alors attendez, faut faire attention parce que il va peut-être pouvoir bientôt attaquer. Là j'ai 7. Là j'ai 9. Ouais, il a bougé nursery. Il fait partie des dudes perfect. Non, il est pas là. Quel fantôme de merde. Pardon, excusez-moi. C'est pas dans mon habitude d'être violent. Ah, vous l'avez, cette ref. Vas-y, on va faire une chasse, ça me saoule. Vas-y, ça me saoule. Il a bouffé le cruci. Donc il est bien ici. Double bouquin. Putain, je jouix. Ok, putain, heureusement que j'ai déplacé le cruci, hein. Oh. Tac, on va attendre qu'il chasse. Merci beaucoup, Aka. Bon, je me suis calmé, j'y suis allé peut-être un peu fort. Fils de pute. Je suis sûr que c'est le genre de personne qui porte des jeans caporal. Oh putain. Mais quel génie cet homme, sérieusement, quoi.
Attendez, je peux me planquer où? J'ai oublié. Oh. Le beau jeu. Ok, fantôme rapide. Enculé. Wouh! Alors ça, quand ça arrive, t'as vraiment pas de chance. Quand tu claques l'encens et que le fantôme te suit au dernier moment, ça c'est le hasard. Hein. C'est un taillé. Mais du coup, il nous manque quoi? L'écriture? Oh, il se serait foutu une autre. La photo. Oh, nicta. Là, y en a qui... Putain, il y a des grands-mères qui prennent. Oh. Il est où mon bouquin là? Non mais quel enculé! Attendez. Vas-y, on se casse. Je la sens pas cette game, on se casse. Ça peut pas être un Raiju, il aurait été plus rapide, chat. Déogène, c'est pas possible. Raiju, non, il est plus rapide. C'est un taillé qui casse les couilles. Je pense que Mama est d'accord. Quand tu as Banane Abricot. Salut Morwan Noir, excuse-moi, je t'avais pas dit bonjour. Il me manque en plus il me manque que la photo quoi, putain. Vas-y, on se casse. J'ai l'os. Ah, ça fout la mort. La forme. Ça peut pas être un Raiju, chat. Un Raiju aurait été plus rapide, je pense. Raiju, il n'y a pas eu de changement de vitesse en chasse. Il aurait été plus rapide. De mémoire, le Raiju est plus rapide que ça. Donc il était un chou plus rapide, mais il n'était pas... Il n'était pas aussi lent qu'un fantôme classique. Mais il n'était pas aussi rapide qu'un Raiju. Pour moi, après on se trompe. Le but, c'est quand même de pas mourir. Let's go, baby. Alors ça fait plaisir. Ok, ça enchaîne. On a loupé la photo, malheureusement. Ah, bah voilà. On est bientôt niveau 20. On a débloqué des maps qu'on ne fera jamais, c'est faux. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, petite Willow. Non, mais petite Willow, on n'a pas le temps. Le reboot se passe plutôt bien. J'espère que vous passez une bonne soirée, en tout cas, chat. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il y a eu plus de hauts que de bas. On va dire ça comme ça. Et, très important, on a des pros de la raclette dans le chat. Incroyable. On recommence. On est parti, mesdames et messieurs. Voilà, je ne lis pas le chat. De toute façon, le chat dit que des conneries. Je veux dire, première chose que je lis en lisant le chat... je connais une personne qui met du kiwi dans sa raclette, voilà. J'ai envie de dire, il y a un moment, voilà, les priorités quand même. Le beau jeu. Cory Schlin, voilà. La personne qui met du kiwi dans la raclette s'appelle Cory Schlin. C'est un nom qui est aussi bizarre que ses goûts. Mouvement, chasse, bâton d'encens. Let's go, baby. Vas-y, donne ton top, MK. Attends que je sois sorti de la maison pour me donner ton top. Ok, dès le début là. Dès le début. Double interaction dès le début, je crois. J'ai entendu deux objets tomber. Je vois pas le deuxième. Je vais aller voir dans le garage vite fait. Ok, là je vois rien. On n'a pas la cachette là. Là y'a rien qui a bougé. On n'a pas la cachette là. On n'a pas la Ouija. Ok, donc on a le cercle. Ou la poupée. On n'a pas la cachette à l'entrée. On cherche l'os en même temps. On n'a pas d'os. Alors est-ce qu'on a la poupée? La Willow elle est quand même dangereuse en cauchemar. Parce que t'as très souvent pas de cachette quand même. Ah, la poupée c'est celle que j'aime le moins. Alors, faut voir maintenant s'il est dans l'entrée ou si... Tu vois, le nounours est là, normalement. Putain, tu m'as fait peur. Ou si, en fait, il s'est juste TP sur nous. Donc, ce serait potentiellement Spectre, Banshee, Fantôme.
Même si en vrai, Banshee fantôme dès le début, c'est bizarre. Et aucune planque. Aucune planque. Juste une planque dégueulasse dans la chambre du gamin. Okay. On va partir du principe qu'il est dans l'entrée. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ça m'a donné EMF2 ou EMF3 le tableau? J'ai pas fait gaffe. 3? Ok, donc c'est pas l'ombre. Normalement c'est 3, mais les tableaux j'étais pas sûr. Ok, donc c'est pas une ombre. Alors, bear, lion, panthère, tiger, shark, cobra. La bear et le lion sont juste incroyables. La cobra en dernier? La cobra en dernier? La shark et cobra en dernier, sérieux? Mais après, c'est normal, t'aimes la bear, j'ai envie de dire. Ceux qui aiment la bear, généralement... Je dis pas qu'ils ont des goûts de merde, je dis juste que... Ils ont pas les mêmes goûts que moi. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Okay. On va essayer de la faire rapide, celle-là. Ah. Vous allez vous faire tirer dessus, chat. Vous êtes indécent, sachez-le. Vous allez vous faire tirer dessus. Venez pas vous plaindre qu'il y ait des blessés. Hein. On a quoi comme objectif? Chasse, capteur. Ah ouais, c'est facile, ça. Allez, celle-là, elle dure maximum 10 minutes, chat. On est chaud. Ah, c'est pas un champ de bataille, c'est un crime de guerre, là. En même temps, mais le crime de guerre, c'est pas le fait qu'il vous snipe, hein. C'est le fait que vous dites des immondices dans le chat. Sachez-le. Je trouve ça trop bien qu'on puisse mettre les capteurs sur les fournitures, maintenant. Le crime de guerre, voilà, exactement. Ceux qui aiment la bière, c'est les alcooliques. Quoi? Parce que la bière a le coup de Malibu Ananas. Mais pas du tout. mais calmez-vous. Déban Seikan, s'il te plaît. Seikan, comment tu vas? Désolé, c'est le bot, il aime pas les liens. Et comme t'as mis un point entre deux... deux mots, il a cru que c'était un lien. Comment tu vas, Seikan? Tu vas bien? Salut, Seik. Salut, Pat Carbonara. Ah putain, vous êtes les pires. Ah merde, j'ai pas activé la vision. La panthère est la meilleure. Ne pas faire de blagues sur l'orthographe. Ne pas faire de blagues sur l'orthographe. Respire. Empreinte. 1 sur 3. Alerte générale. 1 sur 3. Vas-y, toi des pattes. Cobra, Raptor, mais bien sûr. Ah, mélanger, tu veux dire? Ok, 1 sur 3, j'ai toujours pas activé la caméra. On va placer deux crucis. Ah bah la Raptor, je tourne à la Raptor. C'est tellement bon qu'elle s'échappe de ma bouche, tu vois. Ok, il vient de toucher une porte. On va vérifier les empreintes pour l'eau baquée. J'ai mis deux crucis, donc normalement si c'est un démonus, on est bon. Il va me compter l'interaction. Eh ouais, je suis deg. Il m'a pas bouffé ça, on va tester le MF. Le MF3. Ah, attendez, c'est le bouquin? Ok, il n'y a pas d'écriture. Alors après, on est en cauchemar, mais il n'y a peut-être pas... On part du principe qu'il n'y a pas d'écriture. Merci énormément. Seik Beku pour le prime, bienvenue dans la famille, la commu, bienvenue chez les gueux, je relance les alertes au lit Energy de ce pas. Suis-je un faux français si je dis que j'habite dans un vignoble de vin rouge mais que je déteste cet alcool? Non, tu n'es pas un faux français. Tu n'es quelqu'un qui n'a pas de goût, c'est tout. C'est différent. C'est complètement différent. Oh. Installez-vous, la meilleure commu. Ouais, la meilleure commu, quand tu vois les goûts de certains... meilleure commu, des goûts... Comment tu vas, Sion? Tiens. Salut Mimi Wong. Ça fait plaisir. Eh, ça me fait plaisir que vous passiez, vous soyez nombreux ce soir. Qu'est-ce qu'on a, chat? Pas de glacial. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé, là? Les orbes. Ah oui, les orbes.
Avec un Z. Ok. Tac. Le MF. Genre pas. Ah. C'était un 3. C'était un EMF 3, ouais, dans la cuisine. Elle me dit pas que tu passes cuisine. Oh, l'enculé, il passe cuisine. Ouais, je vais lui mettre un petit livre ici au cas où. Thermomètre. On va allumer. Ok, je suis à 2,5 ici. Faut voir si ça remonte ou si ça descend ici. 18. Ok, je pense qu'il se balade juste. Pour l'instant, donc on va laisser tout le matos là. Bon, je pense que c'est pas un démon, pas un yokai. Ah mais je suis con, il n'y a pas d'écriture. Quel boulet. On en a pas besoin. On va le laisser quand même, c'est gratuit. On va éteindre, on va regarder les dots. Ça peut être un Goryeo, ça peut être un Goryeo. T'aimes les lasagnes? Bah c'est normal en même temps, c'est la meilleure chose au monde. Les lasagnes. Et pour la première fois de ma vie, tiens, en parlant de bouffe. Pour la première fois de ma vie, le temps qu'on regarde là, j'ai goûté, alors c'est rien d'extraordinaire, hein, mais j'ai goûté une glace chocolat banane. J'avais jamais goûté de glace à la banane. Eh ben c'est bizarre. J'aime beaucoup les deux. Hein. Hey baby! Mais, eh ben c'était pas mauvais. C'est bizarre au début, mais c'était pas mauvais. Ah mais si, putain, excuse-moi, senpai, c'est moi qui ai teubé. Ok. Bah ouais, mais en glace, tu vois, c'est un pot comme les pots Häagen-Dazs, et c'est banane chocolat mélangé, tu vois, il n'y a pas de vanille, rien d'autre. Je trouvais ça bizarre, mais c'était pas mauvais. Ok, je partirais sur un Goryeo. On n'a pas vu les dots. On va faire l'encens et la chasse, on va faire les deux en même temps. On va utiliser du coup la technique de la poupée vaudouche. Parce que je vous rappelle qu'il peut mettre les dots avec la poupée. On va se faire un peu d'argent. Empreinte. Ouais, on va se faire un peu d'argent aussi. Vu que maintenant les photos font de l'XP. Pas du tout fan de la banane en dehors de le manger en fruits. Oh non, gâteau à la banane, j'adore. Un petit gâteau, tu sais les gâteaux au yaourt là, tout simple. Tu fous de la banane. Et un sirop de chocolat dessus. Ah si. La boîte à musique, elle est dans la nursery sur la Tanglewood. Ok, il a retouché un bouquin, vous voyez. Ok, on va se mettre ici. On va chercher notre encens. Qu'est-ce que j'ai dans la main? J'ai du sel. Ah. Prendre du sel dans la main. Hop. Hop. On va se... Là, ça marche. Allez. 1, 2, 3, 4. Et il nous reste une pour la photo du fantôme. Si jamais il décide de se montrer. Allez. On regarde si c'est un Goryeo des familles. Ça devrait être un Goryeo en principe. On est sorti de sa salle. Allez, petit Goryeo des familles, des bisous. On n'a plus qu'à aller chercher... La pêche, vaudouche, la vaudouche. Et on finit tout ça vite fait, bien fait, on se casse. J'ai quoi déjà? Ok. On va essayer de pas mourir, parce que cette planque, elle est pas ouf. Hein. Je vais chercher un deuxième encens. La planque est vraiment pas ouf. Le fantôme peut très bien venir vous choper, donc... As-tu déjà mangé du durian? Pas du tout, parce que moi je pars du principe que si ça pue, c'est qu'il y a une raison. Donc non. J'aurais pu, mais non. Maki banane chocolat, c'est une dinguerie. Alors, je suis sûr que c'est bon, mais appeler ça des maquis, ça me fait mal au cul. Le beurre de cacahuète, ouais, ça passe avec tout, hein, même avec le cul. Hein. Des bisous évidemment à tous ceux qui aiment un bon gros beurre de cacahuète dans un cul. Allez, let's go.
Je vérifie que j'ai un briquet quand même. C'est pas gentil, Aka. T'essaies de me faire mourir? C'est juste un mauvais timing. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Putain, elle vient de se prendre un ban d'une heure. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Merci énormément. Je vous lis le message. Le message, c'est pizza hawaïenne, je dirais même calzone hawaïenne fait maison sont la vie. Je compte encore donner beaucoup de bits, donc si tu me bannes une heure, je pourrais plus donner de bits. Et tu ferais perdre de l'argent à Thibaut Timren. Voilà le message. Ah mais vous le voyez le message, je suis con. Vous le voyez? J'ai pas besoin de vous le lire. Écoute Timren, je voulais pas te le dire tout de suite, je voulais qu'on finisse la semaine, mais écoute, ça va pas le faire madame. Il va falloir rendre l'épée. Des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions ont été prises. Je trouve que tu t'investis plus dans la chaîne. Ah ouais, moi je pense que... rupture conventionnelle. Hein. Petite rupture conventionnelle. Évidemment, c'était un petit goriot des familles, toujours un plaisir. Mesdames et messieurs, on est niveau 23. Je sais pas si on arrivera jusqu'au niveau 50. En tout cas, j'essaye d'aller le plus vite possible, comme vous pouvez le voir. On va se faire... Choisissez la map, tiens. Parmi toutes les maps du haut, choisissez la map. Moi, je mets le matos. Hop, hop. Tangle, moi, ça me dérange pas. Hein. Tangle, allez. Il y en a deux qui disent Tangle, là, dès le début. Tangle, Tangle, Tangle. Eh ben, allez, let's go. On est parti, mesdames et messieurs. Petite Tanglewood. Des familles. Philippe, je sais où tu te caches. Sors de là que je te bute, enculé. Ta gueule. Hey, je vois que l'argent a gagné, mais toujours, l'argent est plus fort. Hein. Capteur en 100 entités. Ah. Quel doublage, mais bien sûr. Incroyable. Meilleur film de tous les temps, si vous ne l'avez pas vu. Ok, j'ai une cachette ici, ça commence bien. Allez, on essaie de faire ça en moins de 10 minutes. Ce serait pas mal. Okay, j'ai le miroir. Bah dis donc. Ok. Ok. Utility. J'ai pris les photos. Ok. Il faut qu'on trouve l'os. On va remettre le courant. C'est risqué ce que je viens de faire parce que s'il chasse et que j'ai pas la planque. Putain, faut vite que je me barre. Ok, c'est bon. J'ai l'os juste là. Ah, vous voyez, il est plus dans le tapis maintenant. Il est en flottaise, hein. Merci beaucoup, Dwar. Où êtes-vous? C'est quoi ce MF5? C'était la porte? Attends, c'est quoi ça? Il y a un jean qui dépasse de la... Ok. On va allumer ici s'il faut louper. Ok. J'ai pas les placards ici. Hein. Non, il me semble pas. Je les ai pas dans le garage. C'est Hitman the Cobra, le film, ouais. Exactement. Lui, je l'ai pas. Mais j'ai celui-là, je crois. Yes. Bah, j'ai pensé au spectre. C'est ce que je me suis dit, spectre. Mais en fait, comme c'est sa salle, il suffit qu'il ait touché la porte sans que je l'entende, tu vois. Donc je préfère... Bah, de toute façon, le spectre, on peut tester. C'est Spirit et Dots. Donc, on peut tester tout de suite. Mais ouais. Comme c'est... Tu vois, si on n'avait pas été dans sa salle... Ok, mais là, comme on est dans sa salle, je me dis... C'est un jean sur la machine à laver. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Donnez-nous un signe. Alors le problème c'est que le fantôme reste rarement longtemps dans la salle si elle est petite. Ok, ok, EMF5, on va tester la spirit tout de suite. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? J'ai peur. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Ok, on n'a pas de spirit. En tout cas le EMF5 il nous le donne à tour de bras. Hein. Tour de bras, tour de bras. On a l'interaction. On n'a pas l'empreinte. Du sel, oui, Sylvox. Le sel, tout à fait. Le sel, c'est ce qu'il y a de plus simple pour tester le spectre.
Mais je préfère tester avec les preuves parce que du coup, même si c'est pas le spectre, si c'est pas le spectre, on a déjà des preuves, tu vois. Mais oui, c'est vrai, le plus simple, c'est, ça reste le sel. Empreinte, non, donc ce serait les dots. On va ramener ça et un capteur. Comment tu vas, Alan? Tu vas bien? Bienvenue en tout cas sur la chaîne. Faut pas tout dépenser maintenant, d'ici quelques minutes, le train d'Hype sera dispo. Il a éteint le garage? Non, c'est moi. Putain, on n'y voit rien. Comment tu veux voir les orbes dans cette salle, quoi? Ok. Ok. Et il nous met le MF5 à chaque fois. Je regarde vite fait les dots. C'est jumeaux. Spirit. Vous avez entendu? On a bien entendu les deux interactions là. Donc Spirit ou Glacial. Je partirais de ce principe là, moi. J'ai vraiment l'impression qu'on a bien entendu un truc dans la cuisine, un truc dans le garage. Après, pareil, c'est peut-être un truc qui a rebondi, tu vois. Voilà. En plus, j'ai bien testé la spirit, pourtant. On va la retester. Nice. On va la tester tout de suite. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, pas de spirit 100%. Pas de spirit 100%. Donc on sait qu'on n'a pas d'empreinte, pas de spirit. Tac. Donc déjà, mimique, polter, fantôme, on oublie. Ok. Ça peut pas être un obaki, on n'a pas d'empreinte. Faut qu'on reteste les empreintes, mais... Un spectre, hein. En vrai, c'est pas déconnant. On va faire le sel tout de suite. Hein. On va faire le sel tout de suite. Sel capteur. Ah bah putain, j'ai déjà un capteur. Bon, tu vas, Nilwen? Tu vas bien? Tarte à la crème, t'as la forme? C'est vrai qu'on on dirait Roberto. Ouais. Salut, Garcimor. Les dots. La glaciale, c'est quoi à votre avis? C'est l'écriture? Mais je suis con, j'ai du sel. Putain, mais teste le sel. On va pas attendre de plombes non plus. J'ai plus de photos. Bah écoute, ça va bien. Tranquille. En tant qu'italien d'origine, je souffre en lisant pizza dessert. Écoute, je suis pas italien et je souffre. Donc quelque part, voilà. On souffre tous. C'est comme ceux qui mangent sushi en France et qui disent que c'est délicieux, tu vois. Bon, je souffre aussi, hein. Mais je dis rien. Parce que bon, faut pas déconner. Ok, c'est pas un spectre. C'est pas un spectre. Vas-y, je prends les photos. Hop. Une ombre. On va aller chercher le bouquin. Jamais préparé. UV, jamais préparé après le sel. Comment ça, Silvox? Tu seras pas en train de me donner des conseils pour jouer, par hasard? Ah, 6 orteils, j'avoue, avec le baquet, ce serait stylé, 6 orteils. Bah, si elle les fait elle-même, ouais, il y a moyen que ça soit bon, hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'il a bougé cuisine?
Ah, température qui remonte. Non. Non, non, c'est juste qu'il se fait plaisir à toucher des objets bien trop loin. Ah, garage. Garage, ça descend. Non. Putain, mais ce thermo. Oh, qu'est-ce qui me manque, le tout premier thermo, là? Qu'est-ce qui me manque, ce thermo? Ouais, je pense qu'il passe garage, là. Je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas, je le sens pas. C'est bizarre que ça se passe comme ça. On va vérifier vite fait les orbes. Écriture. MF2 random. Je comprends pas là, qu'est-ce qu'on a pas? J'ai tout testé, on a rien. C'est les dots, on a pas vu les dots. On s'est fait niquer sur les dots. Le seul homme qui reste loin du débat pizza, mais il a bien raison. Eh, mais nous les dots, on n'en parle plus. En vrai, l'empreinte de pied 6 orteils serait très intéressante, surtout pour le sans-preuve. Ah bah ouais, carrément. Carrément, Manovich. Ce serait un gros plus, ouais. Ce serait vraiment excellent, d'ailleurs. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais mettre un autre dots. Je vais déplacer la caméra. Comme ça, on aura la vue sur les deux salles. Parce que bon... C'est dommage, le cauchemar, parce que... j'ai toujours l'impression que la deuxième preuve est toujours ultra longue du fion. Il a mis écriture? Oh, il a mis l'écriture? Eh, donc c'est bien pas un spectre. Donc les EMF de random, il n'y en avait pas. Ok. Alors, esprit, ombre ou myling? Eh ben écoute, ça va être très simple à vérifier. On a le placard. Tout de suite, on va faire une chasse. Hop. Top 10 des meilleures pizzas. Cannibal. 4 fromages. Margarita top 1 de toute façon. Il n'y a aucun débat possible. Merde, j'ai même pas mis le cruci. J'ai quoi à faire? L'encens. Ah mais je suis con, ça peut pas être un spectre, mais je suis vraiment teubé, on a fait le sel. Ok. Chèvre au miel, c'est vrai que c'est pas mal. Calzone, c'est pas un... Calzone, c'est juste la façon dont est fait la pizza, c'est pas... Pizza calzone, je sais pas, je trouve ça bizarre. De dire pizza calzone. Wow. Il l'a mis où, ce con? T'as mis où mon livre? Enfoiré! Attendez, il est où le bouquin? Ah, il est là! Comme il l'a éclaté! L'ombre, je sais pas, ça me paraît bizarre. Je partirai sur un esprit des familles. On va faire, attention, on va se faire le miroir, on va essayer de pas le casser. On va essayer de pas mourir comme tout à l'heure. Hein. AK, tu vas bien? Merci AK. On va rester dans le noir. Et on va tester, voir si c'est un myling. Et on se casse. Merci beaucoup AK pour ce que tu donnes ce soir. Pizza aux chèvres et aux magrets de canard fumés arrosés de miel. Ok. Ah, dans Paranormal Horror. C'est quoi une orientale? Toutes les pizzas avec des champignons, c'est poubelle. Je sais que non, mais je suis d'accord avec toi. Tous les enfants adorent Pizza Planet. Pizza Bolo, non mais... pizza avec un peu de pancetta dessus et tout. Magnifique.
c'est pas un myling. Allô, 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 Jean-Thierry. On appelle la Terre. Ok. Pff. Au dernier moment, quoi. Au tout dernier moment. Et Aka, sache Aka que si je meurs à cause d'un de tes scribeurs, ce sera un perma. Je te le dis tout de suite. Alors, hop, on va attendre qu'il rechasse. Pizza caviar, non mais arrêtez, j'arrête de vous lire. J'arrête de vous lire, c'est fini. Je vous ai laissé la parole, c'est fini là. Vous voyez, je vous ai dit, l'esprit, il aime bien faire énormément d'événements paranormaux quand vous lui claquez l'encens dans la gueule. Ça fait un, là, déjà. Mmh. Attention, Akia. Oh, comme il est actif. Tu vas te calmer. Ah, mais je suis con, il vient de bouger ça, là, non? Attends. Ah, bah voilà, bah, c'est pas une ombre, c'est un esprit. Même pas besoin d'attendre les 3 minutes. Pizza, épinard, mayonnaise. Non mais YouTube, tu vois ce que je me tape, YouTube, est-ce que tu te rends compte de ce que je suis en train de me taper? Exactement, Dwarf. Alerte. Putain, j'ai mis l'esprit. Oui, j'ai mis l'esprit, let's go baby. Oh mais faut arrêter. Calmez-vous. Bande d'immondices. Putain, je jouix. Non, on ressort pas le snipe, ça va les encourager. Oh là là. Allez, on avance, mesdames et messieurs, on avance. Pareil, choisissez la map. Tangle, Edgefield, Ridgeview, Grafton, Willow. Puis... Non mais arrêtez. Parlez d'autre chose, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Après, vous me donnez de bonnes raisons de pas vous lire. Moi, quelque part, ça me bat. Tac, 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 tac. C'est la première map qui a 3 réponses. Donc la Grafton, on a déjà 2. On a la Willow, la Ridgeview. La première a 3. La Grafton, ok. Let's go baby, tout de suite. Une Grafton des familles. La pizza pomme de terre. Quand j'étais petit, j'ai vu ce sketch. J'étais tellement mort de rire. Carol Craft, les 25%, ça va. La chasse, l'encens, ok. Let's go. L'encens fonctionne même si le fantôme ne chasse pas, tout à fait. Mais il faut le faire à côté de lui. Alors, on n'a pas le tarot. Ça va la modération, vous n'êtes pas trop fatigué. C'est vrai que le live dure un peu plus longtemps. Si vous voulez qu'on s'arrête, vous me le dites. Merci beaucoup du follow, les glands. Excellent. On a tous toujours besoin d'un bon gland. Okay. Des bisous à Zalcham. Merci beaucoup d'être passé. Ça va ? Ok. Vous me dites si vous êtes fatigué. Hein. Ok, on a la planque ici. Ça, c'est cool. On va aller remettre le courant. Ok, le courant n'est pas là. Je regarde juste si on a la planque. On n'a pas la planque. On a quand même une bonne planque. Ok, il vient de toucher un interrupteur. C'est pas un cauchemar. Là. Ah, ça peut être un cauchemar. MF5. Attends, le cauchemar il a le MF5. Non. Il vient de faire tomber une canette en bas. Ah mais je suis con, attendez, je vais prendre... J'ai entendu une canette. Hein. Je sais pas où elle est mais je l'ai entendu. C'est pas grave, je vais prendre... Est-ce qu'on a des empreintes? Pas d'empreintes. Merci beaucoup pour les 300 bits. Merci beaucoup Akumupala. Pour... Le follow. Est-ce que j'ai les casiers? J'ai pas les casiers, ok. J'ai le cercle, nice. C'est bon ça le cercle, je vais laisser mon appareil ici tout de suite. Ça m'évitera de devoir en ramener un. Ok. Ok, on part du principe qu'il est par là. La bière qui est tombée est ici. Ok, let's go.
Pour tout dire, je l'ai vu, mais mon esprit de française s'est dit même pas en rêve. Attends, de quoi tu parles? J'ai pas suivi. Merci, Laoli, qui me permet de rester focus. Eh oui, tout à fait. Laoli, la meilleure chose qu'un homme puisse rêver. Un homme avec un grand H. Tiens, est-ce que vous aussi, question complètement random, est-ce que vous aussi vous connaissez des gens qui sont en mode, tiens, j'ai un petit creux, j'ai faim, je vais me manger un yaourt. Est-ce que c'est, non mais les gens comme ça, sérieusement, un yaourt quoi, t'as faim, tu manges un yaourt, pardon. Ça me trigger. Putain, mais... Ça te remplit pas le bide, un yaourt? C'est tellement gratuit. Ok. Ça évite de manger le frigo entier. Un bon sandwich, non mais bien sûr. Nono, tu vas bien? Non mais mesdames et messieurs, respectez-vous, un yaourt quoi. Tu peux manger un yaourt, y'a aucun souci, mais dis pas que t'as la dalle et que tu vas te manger un yaourt. Ça a aucun sens. Il vient de faire... Il est où mon EMF? Là. Ok, comme tout à l'heure, il nous donne le MF5 dans tous les sens. On va regarder vite fait les orbes. Ok, on n'a pas d'orbes. J'ai faim, je mange de l'eau. Un yaourt avec une côte de bœuf, voilà. Une mandarine, bon, ça peut passer. Les pâtes, bien sûr. Moi, j'en claque 5-6. Bah, 5-6 yaourts, c'est différent. 5-6 yaourts, c'est différent. Regardez les dots. Ça peut être un goriot. Pas mal de goriot, j'ai l'impression, hein. Regardez les dots, je vais mettre la deuxième écriture et ça. Non, on va tester la spirit d'abord. Wow! Vous avez vu ce qui vient de passer devant la caméra? Oh, il est chaud! Fromage blanc, si tu manges un demi-kilo, ouais. Une pomme, c'est très bien. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Donnez-nous un signe. La rafale. Ok. Et j'ai pas d'empreinte. J'ai déjà testé les empreintes, mais il faut toujours les tester deux fois en cauchemar. Enfin, pas qu'en cauchemar d'ailleurs. Merci beaucoup, Akia, pour les 200 bits. Merci. Ouais, tu peux modifier les émotes, ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être, chat? Ça peut être un goriot, hein. Qu'est-ce que j'ai pas testé? L'écriture qui peut mettre deux plombes. Le goriot, du coup, qui nous mettrait pas les dots. Je pense que le mieux c'est d'aller caler un petit capteur. Merde, je pars n'importe où. Combien vous avez de délai? Écriture. Vas-y, écris deux fois. Pour le plaisir, c'est un collègue qui demande. Nice. Esprit ombre. Merci mining. À tous. Oh, je n'ai jamais douté. Attendez, ça peut être l'ombre. Il m'a fait une interaction pendant que j'étais à côté de lui ou pas? Je crois pas, hein. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Désolé, je vais spammer au chat. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Je sors de sa salle. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Putain, d'onde de merde. Ah. Il fait rien quand je suis dans sa salle. Ok, ça sent l'ombre. Ça sent l'ombre, ça sent l'ombre. On va faire... on peut tester l'ombre. On va tester l'ombre. Tu sais quoi? On va tester. 1. Ok. Je suis à 100% de santé mentale, chat. Ok? Comment tester l'ombre quand vous avez un sac d'invocation? Toujours très intéressant. Comment tester l'ombre? C'est très simple. L'ombre vous attaque à partir de 35% de santé mentale. Donc ce que vous faites,
Dès que vous mettez à 100% et vous éteignez des bougies. Les bougies enlèvent 16% de santé mentale. Donc vous en allumez une, deux, ça fait 32, 3, ça fait 48, 4, ça nous fait 4, ça nous fait 6, et 1, ça nous fait un petit 64 à ses limites. Donc il vaut mieux en allumer 3, je pense. 1, 2, 3. Donc là, on est à 50% de santé mentale, en gros, quoi. T'as 6 secondes de délai, ok. Allez-y, il y a une prédiction, est-ce que ça va être une ombre ou pas? Vous inquiétez pas pour les bougies, elles vont s'éteindre toutes seules, le fantôme peut les éteindre aussi, je crois. Et vous allez pouvoir les réutiliser. Le seul moment où vous ne pouvez pas réutiliser les bougies, c'est quand vous utilisez toutes les bougies. Il écrit. On le remercie. Arigato gozaimasu. Donnez-nous un signe. Donc là, normalement, je suis 16 fois 3, ça nous fait un petit 48. Donc normalement, en restant un petit peu dans le noir, je devrais descendre en dessous de 50 assez rapidement. Donc si ça se chasse, ce n'est pas l'ombre. Au niveau de la prédit, 14 personnes pensent que oui, 7 personnes pensent que non. Okay. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Sachant que l'ombre ne peut pas attaquer ou alors a très 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 peu de chances d'attaquer quand vous êtes dans sa salle. Hein. Peu importe votre santé mentale. Donc bon. Donnez-nous un signe. Fais bouger aucun objet quand je suis dans sa salle, ça elle peut pas aussi. Hein. Seulement si vous êtes en dehors de sa salle. Là, ouvrir la porte. Au moment où je sors, ça ouvre la porte. C'est suspect. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Savez-vous que suspect, c'est pire que les chcus, chat? Donnez-nous un signe. Donc là, pour moi, on part clairement sur de l'ombre. On se fait pas chasser une seule fois. Est-ce qu'on a la photo du fantôme? Pas du tout. On va aller faire le cercle. On va aller faire le cercle. Il faut un appareil photo. Putain! Oh, il m'a fait tellement peur! On n'est pas encore à la fin, Bloom. Aujourd'hui, on fait un live un peu plus long. Mais on n'est pas encore à la fin. Oh, le salaud, quoi. Test de l'esprit. Oui, oui, on va faire le test de l'esprit, bien sûr. Au cas où, tu vois. Et pour l'instant, je reste sur une ombre. Allez, faut pas qu'il chasse, j'ai laissé mon lanceur en bas. Oh putain, je suis con, j'avais déjà un appareil, je l'ai dit en plus. Ok, c'est une ombre, on l'a vu apparaître en ombre. On ferme les portes pour couper la ligne de vue. Allez, on va tester l'esprit en même temps. 1, 2, 3. Ok, on est bon. J'arrête peut-être un peu avant le niveau 50. Comment tu vas, Juju? Bah, tu vas voir. Le test des esprits, tu vas voir. Ou l'exclamation guide, si jamais tu veux toutes les infos. Oui, Tutis, j'ai vu. J'ai vu, c'est cool. C'est cool, ça dépendra. À quelle heure on finit? Alors, on va attendre juste qu'on dépasse les 1 minute 30. Voir si ça rattaque. Au niveau des bruits de pas, Mindlink, je pense pas. Alors là, du coup, si c'est une ombre, faut surtout pas rester dans sa salle. Parce qu'on va se faire mind game par rapport à l'esprit. Mais en gros, l'esprit, Juju, c'est quand tu claques un encens, l'esprit peut pas attaquer pendant 3 minutes. Diabète.
Furtif, comment tu vas? Diego, tu vas bien? Donc là, si c'est une ombre, elle est censée pouvoir attaquer. Ah. Alors, ça attaque pas? Je dis pas que c'est un mec. Tu m'as fait peur. Me dis pas que c'est un esprit qui faisait rien. Putain, ça fait peur. Pas un mailing, hein. J'ai entendu ces bruits de pas durant toute la chasse à l'étage. Ces bruits de pas sont assez faibles, mais. Est-ce que vous avez trouvé que ces bruits de pas étaient faibles? Dans le chat, on peut me dire comment on fait pour que ça fasse des bruits sur le live? Il faut claquer des bits, Diego. Non? J'ai trouvé un chouï faible Norse aussi, moi aussi, mais bon, les gens disent non, normal, donc écoute, on part sur une ombre. En tout cas, c'est pas un esprit, 100%. Mining, j'ai pas l'impression. En fait, des fois, je me mind game parce que j'ai pas mon casque à fond, des fois, je l'ai à fond, donc j'ai l'impression que le niveau sonore des bruits de pas change, tu vois. Ok. Bon, bah c'était bien une ombre. Nickel. Allez, on avance un peu. On essaye d'aller jusqu'au niveau 40 quand même, histoire d'être sur des bonnes bases pour la semaine prochaine. Merci énormément, waouh, ça fait plaisir, merci beaucoup. Let's go baby. On prend pas mal de niveaux là, regardez, 30 niveaux, on prend 3 niveaux 5 par partie. Ça fait quand même plaisir. Putain, je jouis. Allez, choisissez une autre map. Oh oui, Aka, merci beaucoup pour le soutien. Et vous régalez tous les deux là ce soir. Merci beaucoup Air Force, je t'ai même pas remercié. Dans ton cinquième mois, merci beaucoup, tu régales. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Willow, Edgefield. Willow, ça fait déjà deux Willow. 3 Edgefield. Ok, c'est la Edgefield qui a gagné. Désolé, mesdames et messieurs. On enchaîne sur la Edgefield. On fera la Willow après, si vous voulez. Hop, hop, hop. Et hop, je vous rappelle que level 50, on tire la roue des gages. Si tout se passe bien. Donc, normalement, samedi prochain, il y a la roue. Qu'est-ce qu'on a? On a apparition, chasse, crucifix. Allez, on essaye de faire ça vite fait, bien fait. Apparition, chasse, crucifix. Allez. Ok, on a pas ça. Je trouve que les games cauchemars sont pas ultra rapides ce soir, mais elles s'enchaînent quand même assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez. On est resté bloqué sur des games pas tant que ça. Ça fait plaisir. On est dimanche chez moi au Japon. Donc je vais essayer quand même de finir le stream pas trop tard. Ce serait bien avant, tu vois, avant midi, là c'est 11h. Histoire de passer un petit dimanche en famille, surtout que mes parents s'en vont après demain. Donc il y a le petit cercle, ça fait plaisir. Il pleut, c'est pas très très beau. Je pense qu'on pourrait, on pourrait maximiser le multiplicateur pour monter de niveau, je pense. Par exemple, en mettant la pluie à chaque fois, tu vois. En changeant des petits trucs qui sont pas forcément trop dérangeants par rapport aux difficultés, tu vois, de base. Et qui permettraient de grappiller un peu. C'est ce que je veux dire. Donnez-nous un signe. Wow. Merci beaucoup à Conny. Oh, il y a le train, c'est pour ça que vous êtes en fire. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Le record, je sais plus de combien il est. Je crois que c'est level 11. Ok, ouverture de porte. Alors là. Là. Non. Merde. Je me suis... Là. Ok. On prend la première. La deuxième, on prend digital. Allez, let's go. Ça, c'est fait.
Alors, on est potentiellement sur un fantôme ici. C'est pas parce qu'il ouvre la porte ici que c'est pas ici, en fait. Le fantôme peut faire des petites interactions à travers les murs. Pas trop loin de ces murs, tu vois. Mais il a touché cette porte. Donc c'est probablement ici. Oh putain, baby! Qu'est-ce qui se passe? Tutis! Wouh! Tutis! Mais qu'est-ce qui arrive, Tutis, qui régale Jeff Bezos, mesdames et messieurs? Merci beaucoup, Tutis, pour les 50 subs! La passion pour les gueux! Let's go, baby! Alors, attendez, faut que j'aille ouvrir la porte à mes parents. Je reviens. Non, mais incroyable, Tutis! Incroyable! Oh, qu'est-ce que j'entends-t-il pas? Yeah, let's go, baby! Merci énormément pour les 2000 bits et les 50 subs offerts. Tutis qui prend la première place du classement. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue. Attendez, j'en étais où? Je suis perdu, là. Je sais même plus où est le fantôme. C'est pour vous dire. Reconcentre-toi. On va prendre la... pour vérifier le baquet. Wow. Comment tu vas, Yumi? Tu peux me poser des questions directement, Yumi? Oui. Niveau 7! Putain, c'est propre. Merci beaucoup, Titi. Calmez-vous. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bug, ici. Ok, pas d'empreinte. Pas d'empreinte... Attendez, faut que je me concentre. En plein train de la hype, c'est compliqué. Ok, 3 degrés, il est là. Okay. Merci beaucoup, Ragex, pour le follow. Merci encore, Titi Lulov, pour les 100 bits. Merci, Celiana. Pour l'ambiance. Mesdames et messieurs, installez-vous. Merci, Yumi, pour le follow également. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok, ça fait vibrer, ça fait vibrer. Ok, on a parlé d'avoir d'orbe. On va revérifier le MF5. Cause du décès, masturbation. Wow. J'avais jamais entendu dire que la masturbation pouvait provoquer la mort. Vous êtes les pires, vous êtes les pires, les pires. Merci énormément. Merci beaucoup pour le sub offert. Non mais attendez, je vous remercierai après, là je suis en pleine game, putain. Merci beaucoup. Voilà, on va regarder les dots. Regardez les dots et puis je vous remercie juste après. Ouh, merci beaucoup Ladiel, merci beaucoup Vati pour le sub offert. Merci Whisky, merci Selenia, merci encore MK, merci Coconut pour le sub offert. Let's go baby! Thierry, maintenant. Let's go baby! Let's go baby! Merci beaucoup. Ah mais c'est ça qui est beau dans cette commu, c'est que tout le monde participe à sa façon pour essayer d'éclater le record du train, c'est magnifique. AK qui a démarré, Tutis qui a lancé le truc dans la stratosphère, c'est parti. Comment tu vas, Jean Pétefou? Excellent. Il manque un F à la fin de ton pseudo pour que ça soit vraiment drôle. Tu vas bien? T'as la forme? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de dates. Let's go. Ah, mais tu fraudes, AK. Mais oui, tu fraudes. Sache-le, tu fraudes. Personne n'a cru que tu l'étais, que tu étais riche, hein. Tout le monde sait que c'est des cartes bleues volées. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Si vous pensez qu'Aka utilise des cartes bleues volées, ne donnez pas de signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ah, tu vois, même le fantôme! Woo! Let's go, baby! 51 subs! 51 subs de la part d'Akaoni! Non mais, comment vous voulez que je me concentre? On est niveau 9, mesdames et messieurs, merci beaucoup Tutis. Merci Owatan. Et merci Coconut encore une fois. Attendez, je sais même plus où j'en suis là, je sais même plus si je suis dans la bonne salle ou quoi que ce soit. C'est le bordel, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la Foire de Paris. Comment tu vas Nathan? Tu vas bien? Ah, à toi aussi Nathan, merci beaucoup Celiana. Alors... Je sais même pas si c'est là. Moi, je suis en mode automatique, là. Hein. Je vais pas vous mentir. Ok, c'est pas du tout ici. Si, c'est là. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe.
Et là, j'avais vous. Oh putain, où êtes-vous? J'ai peur. Oh, il m'a fait tellement peur. Tellement peur du fion. C'est un obaquet? C'est un obaquet? C'est un obaquet? C'est un obaquet? C'est un obaquet, chat? Il vient de toucher l'interrupteur, y'a pas d'empreinte. Et j'ai empreinte. Des bisous. Scatman baby, merci énormément. Désolé, je suis un peu concentré. On a affaire à un no back. Donc il nous manque l'EMF ou l'orbe. L'EMF ou l'orbe. Ok. On va juste prendre de la photoche. Et je vais essayer de voir si c'est un no back. Merci énormément pour tout ce plaisir. Merci à tous. Allez, on va attendre qu'il touche quelques trucs encore. Est-ce que... Ok, j'en ai un ici de dispo. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? C'est où que ça touche, là? Calme-toi. C'est où que ça touche? C'est où que ça touche? C'est où que ça touche? C'est là. Allez, tout de suite, l'empreinte s'y doit. Putain, mais il veut pas, hein. Empreinte, interaction, encore une, empreinte. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? C'est quoi déjà, j'ai dit l'obac? C'est l'EMF. L'EMF ou... Putain, je jouix! Ou l'orbe. Merci, mais la princesse est dans un autre château. Mon vrai nom, c'est Robert. Bah, c'est forcément l'EMF si c'est j'aime un obac. J'aime juste me déguiser en princesse et me mettre des petits doigts dans le cul. Putain. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Le beat est bon ce soir. Putain, mais grave. Tutis, merci beaucoup. 500 bits. AK, 408. Merci énormément. Merci, Tutis. Wow. I am right behind you. Déconne pas, là. Déconne pas, tu vas me faire mourir. Ok. C'est un obaquet. Regardez, l'empreinte a disparu plus tôt. À moins qu'il ait touché deux fois la même porte. Si c'est pas un obaquet, je comprends pas. Hein. Au niveau de l'interrupteur. Allez, donnez-nous un signe. Merci Tutis pour le sub offert à Amourante. Merci beaucoup. Il s'est pas passé deux minutes là. Allez, allez, je me casse. Je fais les objectifs, je me casse. Le cruci, l'apparition. Okay. Le cruci, j'en ai posé un là. Ok, j'en ai posé un là. L'apparition, bah écoute. On a le cercle! On va le jeter. On va chercher le matos et puis let's go. Putain, vous êtes chaud. C'est indécent d'être aussi chaud là. Bientôt les 1 an de Amourante. Ah oui, 11e mois pour Amourante, c'est vrai. Concentre-toi, jeune Palawan. Ah, attendez. Putain, toujours pas, hein. Toujours pas, l'enfoiros, hein. Let's go, baby. Ah, let's go, baby, hein. Essayez de pas crever, quand même, hein. Ok. Chut, 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 chut. C'est pas le moment, chut, chut. Je vous déteste. Oh, j'ai cru qu'il avait popé à l'étage, putain! Je vous déteste. Je vous aime, mais je vous déteste. Il est où? Il est où? Il est là. Bébé de Squeezie, ça fait 9 mois Squeezie. Ah, et... on va l'appeler Lucas. Hein. Tout le monde est sub ici. Guadeloupe, tu vas bien? C'est fini?
Oh putain! Oh la chiasse qui m'a mis! Excusez-moi de l'expression, mais là... Non mais attendez, c'est pas un no-back. C'est pas un no-back, hein. On s'est fait mind game sur la... Sur l'empreinte, hein. Let's go, baby! C'est pas un no-back? On n'a pas une seule empreinte 6 doigts. Attendez, ce serait quoi du coup? Attendez, what? Merci beaucoup Conan pour le sub offert. Merci énormément Aka pour les 10 subs supplémentaires. Salut Juliette, tu vas bien? Merci Douard, merci Aka, Selenia, Coconut, Akoni, merci énormément. Merci beaucoup. Bientôt niveau 12, ouais. Attendez, chat. Il s'est passé un truc bizarre là. Spirit, c'est non. C'est pas un fantôme. C'est peut-être pas un no-back. Hein. C'est un mimique, mais j'ai pas d'orbe. J'ai pas d'orbe, pas de spirit, pas de MF, pas d'écriture. J'ai rien quoi. J'aimerais bien la deuxième preuve. Il a éteint le courant. Bah les 6 doigts, c'est pas rare. C'est 20% ou 25%. Donc. On va avoir un peu de chance, mais c'est pas rare. Je veux dire, j'ai vérifié combien de fois les empreintes. Ok, il a toujours pas bouffé le crucif, faut faire gaffe. Je suis à 0% de santé mentale. Donnez-nous un signe. Là. Rien à voir. Ça peut pas être une ombre. C'est pas un djinn, il a éteint le courant. Il a fait bouger un truc ici. Non ? Je sais plus. MF3. Donnez-nous un signe. Ça peut être un Goryeo. Ça peut être un Goryeo. Attends. En vrai, il faut que je check les dots, mais là... Non mais attendez! Vous êtes fous! Ok, il a changé. Ok. Il est pas en chasse. Vous êtes des fous, putain, mais... Ok, il a bouffé le cruci. Donnez-nous un signe. Il a pas écrit, on a pas de dots. Allez, mets-nous les dots. Quel enculé. BMF5, BMF4. Comment vous voulez que je joue, moi? Attends. Attends. Non mais ça peut pas être un Goryeo, on n'a pas les dots. J'en peux plus. Vous êtes tous incroyables sur ce stream, bien sûr. Wow, 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 wow. Merci énormément Tutis pour les 20 subs plus 10 subs. Merci Douard pour les 3 subs offerts. Merci à Kaoni pour tous ces bits. Merci énormément. Commu de taré, ouais. Commu de taré. Attendez, je vais aller rechecker les empreintes. Non, mais là, c'est indécent ce qui est en train de se passer, que ce soit au niveau du chat ou de la game. Hein. Il a recoupé le courant. Il a recoupé le courant, l'enculé. UMF2. Elle est où, ma... La lampe UV, elle est là. Ça pue, hein. Ça pue de ouf. Toujours pas. Non mais ça peut pas être un no-back. J'ai checké je sais pas combien de fois, c'est pas possible, c'est un putain de Goryeo ou Attends. C'est un Goryeo, c'est pas possible. Chat. Quoi? Depuis quand il est en bas? Énormément tu dis. Juste focus. Il est parti en bas. C'est pour ça qu'on a rien. Faites-moi penser à checker les empreintes.
est parti en bas, je sais pas où. Il a popé où? Il a popé par là. Ah non mais je sais que t'es là, je sais que t'es là. Toujours pas. Rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Quel fantôme de merde. Excusez-moi Alex. Non mais what? Non mais qu'est-ce que tu fous là, Jean-Thierry? Ah non, bah non, c'est pas l'Obaka en fait, c'est juste... On s'est fait mind game sur les... Je sais pas où il est. Je vais aller reprendre des pilules, ça sent trop le jambon là. Ah, je m'en fous, il me faut ma deuxième preuve là, c'est pas possible. Il me faut la deuxième preuve. Il se fout de ma gueule. C'est assez violent. Hop. Ok, cuisine, double objet. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ah, attendez, je vais remettre le courant. Merci beaucoup de voir pour les Bill Bits. Merci énormément. C'est tout pour moi, je peux plus. Non mais ça va, vous rendez pas. Merci énormément. Merci beaucoup. Bon, il est où ce con? Il a l'air d'avoir popé cuisine en vrai. Mais qu'est-ce qu'il est allé foutre cuisine, chat? Sérieusement? Qu'est-ce qu'il est allé foutre cuisine? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Je vais juste attendre que la... Oh, mais c'est le game de l'enfer! Bah, moi, j'ai... Non, c'était... J'ai pas vu de MF5 de toute la game. De toute la game, hein. Il est parti chercher un yaourt. Wouh! Let's go, baby! Merci beaucoup pour les 20 subs! Tutis, calme-toi! Tutis, calme-toi! Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Voulez-vous un sub? Donnez-nous un signe. Non, y a pas. Merci beaucoup Diablette pour le raid. Bienvenue à toi et tes viewers. On est sur un stream incroyable. Un stream incroyable du cul. Il n'a pas écrit, donc il n'y a pas l'écriture non plus. Parce qu'il a bougé le bouquin. Peut-être qu'il est ici. Comment ça va? Bienvenue à toi et tes viewers. Bienvenue sur un stream qui n'a aucun sens. On est sur un train de la hype niveau 11. Tout va bien. Tout va bien. Ok, le fantôme est ici. Le fantôme a changé de salle, on comprend plus rien. Bref, c'est la merde. C'est la merde intersidérale, on n'a pas d'orbe. Oui. J'espère que tout va bien. Oh non, on va pas se faire mimiquer quand même. Allo, comment tu vas Diablette, tu vas bien? Il n'y a plus de gueux dans le chat limite. Bah si, il n'y a que ça. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ah mais je suis con, il y a la lumière. Où êtes-vous? J'ai peur. Donnez-nous un signe. Non mais c'est un goriot. Écoute, ça va. Fasse-moi bien. Ça va. Let's go baby. Merci énormément! Selenia Butterfly pour les 2000 bits! Merci pour le follow, Claude. C'est quoi, Claudia? Merci beaucoup pour le follow sur YouTube. J'en peux plus. Ouais, on va tous manger des pâtes. Enfin, sauf moi. Enfin, si. Franchement, même riche, je mangerai toujours des pâtes. Les pâtes, c'est tellement bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, mesdames et messieurs, les fantômes font pas d'efforts là, on est d'accord? Qu'est-ce que ça peut être? Le MF? Ça peut être... la glaciale, non. L'écriture, non. L'orbe, les dots. Ça peut être que les dots, hein. On est d'accord? Ouais. Les pattes, c'est la vie, mais oui. Il a recoupé le courant. Pas du tout. Ok, il a touché le carreau, je crois. Putain d'enculé d'Obaké! Je le savais! Cet enculé! Mais quel enculé! Je le savais que j'étais pas fou qu'il avait touché l'interrupteur.
Putain, mais quel enculé! Ah, excusez-moi. Tout de suite, pour me calmer, la pub. Ah putain, mais quel enculé! 25%, mesdames et messieurs. 25% de chance qu'ils nous mettent l'empreinte. Il nous l'a pas mis une seule fois. Je suis riche, je bois de l'essence. Ah bah, des bisous. Ta descendance sera riche. Oh là là, mais quel game. Capacité utilisée 4. Ah oui, non, mais c'est pas la capacité, c'est pas, c'est diviser les timers par 2. Ok. Oh, quel enfoiré. Bah, c'est la preuve de l'obaquet, c'est l'empreinte à 6 doigts, là. Oh, quel enfoiré. Allez, mesdames et messieurs, on va jusqu'au niveau 40. Là, il reste un tout petit peu de temps. Jusqu'au niveau 40, choisissez une map. Tanglewood, Edgefield, Ridgeview, Grafton ou Willow. Le premier qui a, la première qui a 3 votes, là, dans le chat. Je la fais. Et on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2. La Willow, allez, la Willow, c'est vendu. On se retrouve samedi prochain pour la suite, bien évidemment. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup Inago, je viens de YouTube et franchement merci, tu m'as appris beaucoup de choses sur Fasmo, tu m'as fait beaucoup rire, donc je suis venu ici, et ben tu m'envoies, ravi Inago, bienvenue à toi sur la chaîne, ça fait grand plaisir. Tu vas bien Diablette, tu vas bien, merci encore pour tes raids réguliers, ça fait grand plaisir. Grand plaisir, sache-le. Et tous ceux qui font la même chose que Diablette, hein, bien sûr, il y a Bud Hunter dans le tas, bon, il y a Frankie de temps en temps, il y a du monde. Let's go baby. Pas le temps de niaiser. Allez, on se relâche pas, on est fort sur les appuis. Encore deux games, on est niveau 40, on va pouvoir passer à la semaine prochaine. La photo, crucifix, micro. Ah oui, j'ai dit que je voulais voir si on pouvait pas modifier un peu la difficulté custom pour avoir plus de level. C'est gentil, Diablette. Audi RS... Ah bah ouais, tu m'étonnes, tanker, écoute. Ah, le tarot, bouh, on peut pas faire le tarot. Le chat, allez le chat, bouh le tarot, bouh. Je vais voir des bouts dans le chat. Des bouts écrits, hein. Montrez-moi pas. Eh, je veux pas voir vos bouts, hein. Voilà, merci. Alors, on a une planque ici. Où êtes-vous? Ah, le tarot c'est nul, on peut pas s'en servir. Le tarot c'est surcoté, bouh. Ah, on dit que ta mère. Oh, oh, vous avez entendu ce qu'a dit Thierry? Merci beaucoup, Aka. Merci énormément. Je cherche là, ça. Pour ceux qui se demandent. À mort. Ouais, bah, peut-être pas à mort le tarot non plus. Respectez-vous. Thierry se lâche, hein. Thierry se lâche. Comment tu vas, Equinox? Salut, Roby. Alors. Est-ce qu'on a un os? On a une planque garage. C'est pas trop mal. On n'a pas de planque à la cave. La planque. Et on n'a pas la planque ici non plus. Donnez-nous un signe. Et on n'a pas l'os. Il doit être salle de bain. Cuisine, je l'ai peut-être pas vu. Là. Oh, on a une petite œuvre d'art là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? T'auras même plus d'argent pour bouffer un yaourt. Ouais. Le tarot, c'est... Bouh, on en viendra tous à bout. Ah, c'est tabou. Ok, je viens de comprendre. Donnez-nous un signe. Allez, hop, tous mes bits pour le magnifique tonnerre. Au moment où je sors, en plus. C'est beau. Merci, Aka. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ça... ça. Faut... Attendez, faut que je me reconcentre, là. Je me reconcentre, c'est pas le... 5h30 de stream, commence à fatiguer, mais il faut rester concentré. Ok, il est pas dans l'entrée. Généralement, si vous avez une température supérieure à 10, vous pouvez déjà enlever l'entrée. Attendez, j'ai eu 6 à l'entrée. Ok, non. Faire des heures sup. Donnez-nous un signe. Ok, il est pas ici. Il va être au bout de la cave. Et on a du 10, du 7, 1, du 7. Ok, on a peut-être un couloir ou alors on a la glaciale dans une salle adjacente. Des fois, je me suis rendu compte que quand t'avais la glaciale, la salle adjacente... Ok, il est là. Il vient de bouger ça. Tu vois? Et ben voilà. Wow! Ok. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous?
Quel âge avez-vous? Je ne sais plus parler. Aimez-vous Christophe Maé? Si oui, j'ai peur. J'ai peur. Okay. Donc ouais, t'as vu, il te met toujours, enfin pas toujours, mais une petite température assez basse. Alors, est-ce qu'il a fait péter les deux chaussures en même temps? J'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il y en avait qu'une. C'est pas un cauchemar vu qu'il a allumé la petite lampe. On va checker les empreintes. Il a l'air de me suivre, hein. Faut faire gaffe. Faut faire très très gaffe. BMF5. Pas d'empreinte. BMF5 est glacial. On a les jumeaux, l'Oni, l'ombre et le djinn. Ok. Ok. Donc ça peut pas être un mimique. Alors, Oni pendant la chasse, les jumeaux pendant la chasse, le djinn pendant la chasse, l'ombre. Ok, donc il faut une chasse. Mais on n'a pas l'objet maudit. Ah, fuck. Photo, crucifix, micro. Ok, on va faire. On va faire ça. On va essayer de faire le micro. Ah, désolé, mesdames et messieurs. Là, je peux pas avoir de chasse, là. Il va falloir attendre. Question très bizarre, mais venue en tête. Comment tes parents communiquent? En quelle langue avec ta femme? En français. En français. Ma femme parle français, anglais, japonais. Elle parle trois langues. Incroyable, n'est-ce pas? Vous savez quoi? En attendant, on va se faire un petit tas pour voir si c'est un polter. Parce qu'en vrai, si c'est un polter, c'est rigolo. Ça peut pas être un polter. Je suis complètement con. Voilà, des bisous. C'était la minute débile. Tout de suite, un jingle. Non, la minute débile. Info chat. Ouais, c'est pas bête ça. Ça marche aussi, info chat, ouais. Ah, bah voilà. Bon, ça c'est fait. Crucifix et photo. Bon, on va ramener du cruci et puis on va attendre qu'il nous chasse. On n'a pas le choix, chat. Ça ferait une bonne alerte, ouais. J'ai le message de PayPal. Nous sommes désolés, vous ne pouvez plus envoyer. Bah, c'est normal, Aka. C'est normal. PayPal, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait voler sa carte bleue. Quand tu vas à Red Army. Aimez-vous la chocolatine? Avec les jumeaux, il y en a toujours dans l'ombre. Un dans l'ombre de l'autre. Pour le coup, il noie sa tristesse dans le djinn. Oni-chan, j'avais plus d'idées, ok. Je ne dirai rien. Alors, un ici. Un ici. Wow, mais dis donc, mais tu es technique. Donc déjà, l'ombre, on peut l'enlever. 100%. Je verrais bien, en vrai... Oh, la photo. Enculé. Il me l'a pas compté? Ah putain, j'ai loupé la photo. Eh, me dis pas que t'es en train de changer de salle là. Oh. Ah non. Ok, merci. Hey. Tu vas te calmer? Non mais c'est quoi ces fantômes là qui se croient tout permis à chercher un encens? Orb, y'a pas besoin de tester, jambon, y'en a pas. Tu remarqueras que c'est les fantômes qu'il te reste. Ah oui, j'avais remarqué, Dwao. J'avais remarqué. Je vais bien. Bah ouais, ça fait un moment, c'est ce que j'allais dire, Red Army. Ça fait plaisir que tu reviennes à faire un coucou. Il peut pas avoir d'orbe, jambon. On a déjà les deux preuves en cauchemar et ça peut pas être un mimique puisqu'on a l'EMF. Si vous avez d'autres écritures EMF, ça peut pas être un mimique. Il nous reste le cruci et la photo. On a quoi déjà? On a le tarot. Ah putain. On a la planque là-bas, je crois. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'encens. On va garder l'encens à côté de nous. Voilà là. Et on va rester là.
perdre un peu de santé mentale, ça m'a l'air pas mal. Histoire qu'il chasse un peu plus vite, tu vois. Allez. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Bouh. Les banques en PLS, mais cela fait un streamer heureux. C'est tout ce qui compte. Bah, bien sûr. Mais n'empêche que le jour... Merci, Mamanoid. Le jour où... tu te fais vraiment voler ta carte, t'es content que PayPal bloque, tu vois. Ça te fait chier quand ils bloquent quand c'est toi, mais par contre, quand c'est pas toi, t'es la personne la plus heureuse du monde quand ils ont bloqué le truc après 200 balles. Quand tu vas à l'Idiox, tu vois bien. Je m'intéresse à Phasmo aussi au paranormal. Je viens de regarder la vidéo de Théodore sur son appart tenté. T'en penses quoi? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai absolument pas vu. En tout cas, si tu t'intéresses à Phasmo, je te conseille ma chaîne YouTube à moi. Mais je ne l'ai absolument pas vu. Donc je peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Je ne connais même pas Théodore, c'est pour te dire. Bah, je te fais de nom, quoi. J'ai une question. Ok, ça coupe le courant. Attendez, attendez. Je me rappelle que je peux pas mourir. Et je vérifie qu'il chasse pas. Ok, j'ai un appareil photo ici. Et la photo, honnêtement, si on a le crucifix mais pas la photo, cassos. Hein. Et le fantôme accessoirement. Au fur et à mesure que le jeu se développe, ils vont rajouter des entités. Ils ont déjà rajouté 12 entités, Inago. Donc non, 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 t'inquiète pas. Niveau des preuves, ça va. Ça va, ça va, ça va. Il est là, hein. Il est là, il se fait plaisir. Il bouge des trucs. Ah ouais, mais bon, moi je veux bien que tu te montres ou que tu fasses quelque chose, quoi. Un petit événement paranormal, tu vois. Tu bouffes le cruci, Bon, je t'ai eu en cul. Pardon. Boum. Pardon. Comment tu vas folir, tu vas bien? On l'appelle Lucky Luke. De l'Est, de l'Ouest. Il arrive au galop. Pardon. Alors là, cette photo-là, j'en suis fier. Putain. Alors, caméra thermique, ce serait cool, ouais. Lunettes de vision nocturne, ils avaient parlé à un moment. Ça serait stylé aussi. Bon bah on attend chat. Il devrait pas tarder. C'est quoi déjà? Ah on sait pas encore. Attendez, je suis en dessous de 50%. Ça devrait pas tarder là. Oh ouais ouais ouais. Ah ouais, enlève-moi la santé mentale. Ok, ça vient de m'enlever 10, 20. Oh, ça va pas tarder. Pas tarder. On va se mettre dans le noir. On va tester le jean. Tester l'Oni, regardez bien comme il clignote, hein. Savoir si c'est un Oni. Je lui ferais bien un petit Oni, moi. Je vais très bien, faut lire, je vais très bien, merci. Ah oui, il a coupé le courant, t'as raison. Ça peut pas être un jean, c'est Oni jumeau. T'as tout à fait raison, j'avais pas fait gaffe. Du coup, ça fait quelques jours, je regarde tes vidéos aussi superbes. J'aime ton savoir-faire sur ce jeu, continue comme ça. C'est très gentil, merci. Ça me fait énormément plaisir. Pot de colle. Ah, je crois qu'il a bouffé le cruci. J'ai entendu le MF. Le cruci vous donne un EMF maintenant, quoi. Il se fait bouffer. On va prendre la photo. C'est risqué. Allez, ça dégage. Je prends pas le risque d'enlever les crucis. Hein. Parce que si c'est pour qu'il me pop dessus et que je crève. Bah voilà. Ou sinon, tu vois là, tu apparais juste là, ça va très bien. Du moment qu'il y a assez de distance pour que je puisse tester le jean, moi ça me va. Bon, tu vas absolu, tu vas bien. C'est plutôt calme hein, pour une game cauchemar, on est d'accord. Hein. Bah les games sont sympas mais calmes. Je voulais te demander si tu connaissais Jordan Périgaud. Je connais, ouais. Je connais, je connais. Partie du principe que moi, je suis pas fan des shows à la française. J'aime bien quand c'est surjoué, tout ça. Les shows à l'américaine, j'aime beaucoup. Ah oui, ça peut pas... Putain. Ça peut pas être un jean. Ouais, ce sera la dernière game de ce soir, mesdames et messieurs.
mon cerveau commence à rendre l'âme. Et je crois que ce fantôme aussi. Ça peut pas être une ombre. Non, mais ça peut pas être une ombre. Oui, Gus DX aussi, bien sûr. Ça peut pas être une ombre, il a bougé un objet à côté de moi. Il devrait m'attaquer à partir de 50. Pourquoi il m'attaque pas? À cause des crucis? Attends, depuis le temps, tu les as tous bouffés. Bouffés niveau 2. Bouffés niveau 2, non mais voilà, allez. Hey. GusDX, j'aime bien ces vidéos qui sont pas paranormales. C'est un Oni. Allo, 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 j'en tire. C'est un Oni, hein. Ça a l'air. Oh putain, je claque l'encens à la fin. Bon bah écoute, vaut mieux le claquer que pas le claquer. C'est un Oni de chat, on est d'accord. Il a pas, il a clignoté vachement vite, hein. Chad, vous pensez que c'est jumeau ou Oni? Moi, je pense que c'est Oni. Je pense que c'est Oni, c'est bruit de pas, il était pas rapide, pas lent. Après, j'ai pas fait plus gaffe que ça. Je trouvais qu'il clignotait vachement vite. Donc, je pars sur un Oni. Il est un petit Oni des familles, mesdames et messieurs. Et voilà comment se finit ce premier épisode du reboot de la saison 2 de l'Immortel, mesdames et messieurs. On a fait une petite session avec... 37 niveaux, c'est quand même assez propre. On n'a pas eu de démon. Zéro démon, merci beaucoup. Léana, pour ton deuxième mois, moi non plus, je n'ai jamais douté. Merci énormément pour ce prime de qualité. Mesdames et messieurs, YouTube, je te fais de gros bisous. Évidemment, n'hésite pas à partager, commenter, liker. N'hésite pas à aller voir la première saison du Mortel. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, je te mettrai évidemment tout ça en haut à droite dans les fiches. N'hésite pas. À venir nous voir sur Twitch et à claquer ta wallet, t'as tous les liens en description. Des bisous de la part de Thierry, des bisous de la part du chat et des bisous de ma part à moi. On se retrouve samedi prochain pour l'épisode 2. Des bisous YouTube.